Salut les amis, bonsoir et bienvenue dans ce live. Tout d'abord, joyeux Noël à tout le monde. Frohe Weihnachten et Merry Christmas pour ceux qui sont en expression anglophone. J'espère que vous allez bien et que les fêtes se passent plutôt bien pour ceux qui sont en Europe, notamment en Allemagne. C'est un peu chaud parce que, il y a des restrictions. On ne peut pas être plus de 6, confinement, ainsi de suite. Donc, ça gâte un peu. L'atmosphère des fêtes actuellement. Mais aujourd'hui, on va, à travers cette interview, vous apporter un peu de joie, un peu de possibilités, un peu rendre le moment moins pénible possible, quoi. Pour ceux qui m'écoutent du côté de l'Afrique, j'espère que vous avez bien passé les fêtes. Donc, comme je disais, joyeux Noël à vous et également à vos familles. Frohe Weihnachten, Merry Christmas. Et on va aujourd'hui parler d'entrepreneuriat. Pendant les études en Allemagne. Donc, c'est très intéressant pour ceux qui veulent venir en Allemagne ou pour ceux qui sont déjà en Allemagne et qui sont peut-être encore étudiants. Ils ont une brillante idée, mais ils ont encore des doutes. Ils ne savent pas comment faire, comment ça va se passer côté séjour. Est-ce qu'ils peuvent entreprendre pendant qu'ils sont encore étudiants ou alors il faut simplement aller jobber en parallèle. Sachez également que l'entrepreneuriat peut vous permettre de financer déjà vos études, quoi. Et au lieu d'aller bosser, faire peut-être boulot. Que vous n'aimez pas forcément quoi. Donc rapidement, dites-moi en commentaire si vous me faites bien entendre et si de votre côté le son est top et on va comme ça introduire notre invitée. Elle est déjà en attente et elle va vous dévoiler des secrets. Donc c'est une jeune dame qui fait ses pas dans l'entrepreneuriat et ça se passe plutôt bien pour elle. Donc elle va livrer avec nous ses secrets, comment elle fait et comment ça se passe, quoi, comment elle gère les deux côtés, notamment les études. Et ensuite, comment elle gère avec sa petite société ou structure qu'elle a déjà mis en place. Donc, je vais aller rapidement l'introduire. Et vous savez, les amis, déjà, en attendant que je l'introduise, vous allez simplement liker le live et partager pour qu'elle soit beaucoup plus référencée. Sinon, vous savez, les lives aujourd'hui, il faut les référencer pour que, en fait, il faudrait beaucoup plus liker et partager pour que l'algorithme YouTube ou Facebook puisse, n'est-ce pas, référencer pour que plusieurs personnes puissent voir le live, bien qu'ils ne soient peut-être pas actuellement aujourd'hui connectés, quoi. Ils pourraient voir ça plus tard. Donc, ça va être référencé simplement après, quoi. Donc, sans plus tarder, je vais introduire simplement Sandra et on va commencer notre live. Alors, bonsoir à toi, Sandra. Nous sommes en live. Déjà, merci d'avoir accepté l'invitation sur la chaîne Russie en Allemagne. Et bienvenue à toi. C'est moi qui te remercie. Bonsoir à tous et à toutes. Voilà, c'est moi qui te remercie de m'avoir invité ici. Tout à fait. Donc, merci à toi, Sandra. Et c'est comme ça ton mot de bienvenue. Pour commencer, je vais te demander, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement? Qui est Sandra? Alors, moi, c'est Sandra Assonta-Dorfa, je suis étudiante en mécatronique. Et en Allemagne, plus précisément à Cassel. Donc, je vais à l'université de Cassel. Entre-temps, je suis aussi entrepreneur, on va dire comme ça. Et voilà, je pense qu'au fil de l'interview, on va plus me connaître parce que c'est Tout tout à ce que je fait. fais pour l'instant. Tout à fait. C'est déjà super pour l'introduction brève. Sandra, tu disais, tu es étudiante. Déjà, comment se fait le choix de l'Allemagne pour tes études? Parce qu'à la base, tu viens comme étudiante. Oui, je suis camerounaise, entre parenthèses, en passant. Quand je faisais mes études, mes frères étaient déjà ici. Donc, j'ai eu mon premier grand frère qui est arrivé, ensuite le second. Et quand je faisais mes études, je ne savais même pas trop où est-ce que je vais aller. Et quand j'ai fini mes études, bon, quand j'ai dit mes études, quand j'ai eu mon bac, ma mère m'a proposé, elle m'a dit, est-ce que tu veux aller aussi en Allemagne? Et j'ai dit oui. C'est un peu comme ça que c'est fait le choix de l'Allemagne. Ok, donc tu as dit oui simplement parce que j'avais tes frères là-bas qui avaient plus ou moins, ou qui s'étaient plus ou moins en sortie, j'avais les études, ou tu as simplement dit oui parce que tu voulais rejoindre la famille de l'autre côté. Quelles ont été tes motivations? Oui, au final, parce que mes frères y étaient, c'est tout, la seule chose que je peux dire. Parce qu'il y avait pas, je n'avais pas une intention de voyager, c'était pas trop dans mes objectifs de absolument voyager. Donc, c'est pour ça que je précise encore que ma mère me l'a proposé. C'est pas comme si j'étais en mode je veux partir et tout. Donc, ma mère m'a proposé
Et j'ai vu que je devais être avec mes frères, etc. Alors j'ai dit oui. Ok, super. Donc, et quand tu as accepté, justement, tu as commencé avec les cours de langue, tu as gravi les échelons, je Oui. suppose, tu as demandé le visa, ou est-ce qu'il y a eu des difficultés à apprendre la langue, ou alors quand tu étais déjà au primaire, oh non, pardon, au secondaire, avec le quatrième, troisième, tu avais déjà choisi l'allemand comme langue étrangère? Oui, en troisième, j'ai choisi l'allemand. Oui, donc j'ai fait troisième, seconde. Oui, voilà, les classes là où on choisit Les la langues langue, on choisit étrangères. l'allemand. Oui, mais OK. bon, ça, pour moi, je trouve que ça ne sert à rien. Quel que soit ce qu'on apprend là-bas, bon, c'est bien, hein, on t'apprend déjà à dire bonjour, bonsoir, mais au final, il faut aussi savoir que j'ai fait la C. Donc, on se connaît. Quand tu fais cette filière-là, ce sont pas les langues, les matières où tu t'attardes. Donc, j'ai fait ça au lycée un peu. Après, quand j'ai fini les études, quand on a dit que je devais aller en Allemagne, je suis justement allée à Yaoundé, à l'Institut Goethe. Et c'est là-bas que j'ai fait mes cours de langue. Je n'ai pas eu de difficultés particulières. Je suis allée normalement jusqu'à ce que j'ai eu mon B1. Et quand j'ai donné mon B1, c'est là où je... Bon, entre-temps et parallèlement, on fait ses papiers, bien sûr. Et quand j'ai fini avec le B1, je voulais demander le visa. Je ne sais plus trop ce qui s'était passé. Mais après, j'ai dû faire le B2. Voilà, et quand je fais le B2, c'était plus à l'Institut Goethe, c'était dans un institut là que je ne connais même plus le nom, tellement ça ne m'avait pas plu. Et je n'avais même pas composé après, parce que je ne me sentais pas prête en fait. Parce que quand vous faites les trucs dans les trucs privés là, pour faire l'examen, c'est à l'Institut Goethe en fait que ça se passe. Et je Tout n'étais à pas fait. prête, je n'ai pas donc fait l'examen en question. Donc au final, j'ai voyagé avec un B1. Oui, après j'ai demandé le visa et j'ai eu le visa. Je suis arrivée en Allemagne. Quand j'arrivais dans l'Allemagne, c'est vrai que j'avais un B1, mais j'ai fait un test là, dans une université qui s'appelle Halle, à l'université de Halle. Et donc là-bas, quand j'ai fait le test, directement, on m'a mis dans une classe pour faire le DSA. Donc, c'est là où j'ai fait, je pense, 3 mois. Et j'ai composé le DSA et je l'ai eu. Donc, c'est comme ça que j'ai appris en fait après. Appris la langue, etc. Je suis maintenant toute seule. Je ne sais pas pourquoi. Je suppose que Franck a les problèmes techniques. Pour ceux qui me connaissent, vous voyez que j'ai les cheveux roses, violets aujourd'hui. Là, là. Si je pouvais voir les questions, on peut voir pas les questions. Et enfin. Oh, si, si, il y a les questions. Bonsoir, Dodge Film. C'est bon, tu m'écoutes? Oh. Tu m'écoutes, Sandra? Je pense que Allô? oui, je t'écoute, moi je t'entends. Oui, ça a coupé tout à l'heure. Enfin, c'est pas ce qui s'est passé, quoi. Directement, j'étais directement, je sais pas si parce que les gens n'ont pas assez liké mon live, je sais pas trop. Les amis likés, il faudrait pas que les haters viennent nous jeter du live, quoi. Donc, Dieu merci, ça a remarché. Justement, tu as décidément écouté ta dernière phrase en fait. Donc, quand tu sais tu es arrivé en Allemagne, donc une fois en Allemagne maintenant, comment ça se fait le choix de la filière? En venant, même, je connaissais à ce que je voulais faire. Je voulais faire mécatronique. Quand je quittais, en fait, j'ai dit à mes parents. Mes parents m'ont en fait demandé qu'est-ce que je veux faire dans la vie. Et je voulais en fait travailler dans l'aéronautique. Et je décrivais ce que je voulais faire à mon père. Mais je ne savais pas comment on appelle ce métier-là. Et vu qu'il y avait mon grand frère ici, mon père lui a donc parlé de ce que j'aimerais faire. Et mon frère lui a dit que pour faire ça, je devrais faire mécatronique. Voilà, donc quand je voyageais, je savais que je vais faire mécatronique. Et donc quand je suis arrivée, après mes cours de langue, directement, j'ai envoyé mes papiers en fait dans les universités pour en fait étudier mécatronique. Donc je savais déjà en fait, quand je voyageais. Ok, donc parce qu'en fait l'idée tu partais en fait du fait de travailler dans l'aéronautique plus tard, et ton frère t'a conseillé donc en passant par la mécatronique tu es au bon endroit quoi. C'est ça, non?
Tout à fait. Exactement, c'est Et ça. OK, et là maintenant tu commences les études, tout se passe bien, mais après finalement le virus de l'entrepreneuriat te prend. Comment ça se passe? D'où vient le déclic? C'est mon frère, mon grand frère, et à qui je fais coucou, gros bisous. Une fois, il m'a posé une question qui m'a choquée. Ça m'a choquée jusqu'à j'étais même fâchée contre lui. Il m'a dit, dans ta vie, tu veux être esclave ou patron? Et moi, j'étais donc très, très énervée quand il m'a dit ça, que j'ai dit, mais parce que j'aime pas le mot esclave là. J'étais là, mais pour qui il se prend pour dire que les gens sont des esclaves? Et j'étais tellement énervée qu'il m'a dit, tu sais, et après avoir réfléchi, bah, tu vas me répondre. Parce que ce jour-là, j'étais tellement énervée que je ne répondais en fait plus à ce qu'il disait. Donc il m'a dit, va réfléchir, et après on va continuer à parler. Et oui, quand j'ai réfléchi et j'ai compris au fond ce qu'il voulait pas dire, etc., c'est là où je me suis dit, mais je vais faire quelque chose, c'est vrai, je veux pas être esclave. Et voilà, c'est comme ça que quand ça commence, donc je cherche donc des idées. Puisque là, quand tu dis, OK, je ne veux pas être bon, salarié, on va continuer à dire salarié au lieu de l'autre mot là, je cherchais à chaque fois les idées. Et j'ai compris qu'autour de moi, les seules idées que très souvent les gens sont, c'est de finir l'école. Après, quand on fréquente, donc l'argent de son salaire, on va quelque part épargner pas pour aller acheter les terrains au pays, construire les maisons, mettre en location. Je me suis dit, mais c'est bête, moi je ne veux pas faire ça. Je comprenais pas en fait pourquoi je dois attendre finir mes études pour faire ça. Et de toute façon, je voulais pas faire ce genre de business. Ce que j'ai donc fait, à chaque fois j'avais une idée, et c'est mon frère aussi, on parlait à chaque fois. Après, il m'a dit que, OK, tu as donc pris ta décision que tu veux être patron. Qu'est-ce que tu veux donc faire? Et moi, je me suis dit, après un temps, j'ai dit, bon, pour les maisons, là, les terrains et tout, j'ai dit, je ne veux pas faire ça. Après, je lui ai dit que je veux ouvrir un hôtel au pays et tout. Il m'a dit que, OK, c'est bien, mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Cherche, parce que toutes les idées que j'avais, c'était toujours les trucs d'après, après, après. Et les idées qu'il faut être au pays pour faire. Parce que moi, je ne crois pas au truc qu'on dit qu'on envoie l'argent, les gens vont faire. Là, je pense qu'on est mieux servi par soi-même. Et toutes les idées que j'avais, donc, c'était déjà, je vais finir l'école et après aller faire ça au pays. Il m'a dit, cherche ce que tu peux faire maintenant. Et c'est donc là où je faisais déjà la couture. Je me suis dit, OK, je vais donc coudre, proposer mes services, après coudre les trucs, vendre en ligne. Et j'ai donc commencé avec la couture. Je me souviens que j'avais ouvert une page Facebook. Elle existe toujours, d'ailleurs, je l'utilise toujours. Ça s'appelle l'épingle de Mokezor. J'ai commencé à poster les habits parce que je cousais mes propres choses. Et tout le monde me disait, c'est joli, tu as acheté ça où? Et moi, je disais que non, j'ai cousu moi-même. Et ce sont les gens, en fait, qui m'ont poussé à comprendre que ça peut être un business. Et tellement avant, je ne croyais pas en moi que l'idée que j'avais quand je créais ma page Facebook, c'était de mettre ça en avant, attirer les prospects. Et quand il y a les commandes, je dis à ma sœur qui est au Cameroun de coudre les habits, parce que ma sœur sait aussi coudre. Pour ceux qui ne savent pas, ma mère est couturière et elle nous a quelque part transmis ça. Et donc, je ne croyais pas moi à cette époque-là que l'idée c'était de gérer la page, manager. Et ma soeur qui est au pays va coudre les habits, envoyer ici et je vais vendre. Et une fois donc, j'avais une cliente qui m'a pris de coup comme ça. Elle m'a montré un modèle et elle a dit qu'elle veut ça dans quelques semaines. Et le temps là, je n'avais personne qui partait au pays, qui devait rentrer avec l'habit en fait. Et donc, je me suis dit, je n'avais pas le choix que de coudre ça toute seule. Quand j'ai cousu le premier habit, en fait, j'ai senti que je peux le faire. Parce que je précise ça parce que trop souvent, même, on se sous-estime, on ne sait pas qu'on peut faire des choses. Et voilà, ça m'a poussé à faire ça. J'ai donc commencé à faire ça. Mais c'était des compliments de revenus. Du genre, on est dans un pays où on peut trop penser que les gens vont porter de paille, mais c'est faux. C'est très souvent en été que les gens portent deux, trois cabas comme ça, ou bien quand on se marie. Donc, pour moi, c'était les compliments de revenus. Je cousais les robes de mariage. J'ai cousu, je pense, quatre robes de mariage, quelques habits ici et là. Et après, donc, j'ai réfléchi qu'est-ce que je peux faire autre chose. Mais je peux aussi dire que c'est comme si je me suis assise pour réfléchir parce que ça venait progressivement.
quand je fais une autre chose, après une autre idée arrive, après, etc. Donc, à un niveau, j'avais ma chaîne YouTube. Voilà, je me souviens que après avoir créé la page Facebook, je me suis dit, je vais créer un YouTube pour montrer dans les modèles, dans les vidéos, que de seulement poster les photos. Et c'est comme ça que je commence avec YouTube. Et sur YouTube, au début, je parlais d'habits, en fait. Après un moment, j'ai vu que je parlais de mes cheveux. Je commençais à faire des vidéos sur mes cheveux, comment je prends soin, parce que les gens me demandaient toujours comment tu fais ci, ça. Donc, je faisais les vidéos pour poster ça. Et après, donc, j'ai basculé, j'ai commencé à faire les cheveux et après, j'ai commencé à proposer des programmes en ligne, quoi. Tout à fait. On va revenir encore en détail sur le côté des cheveux, le côté capillaire notamment. Mais quand si on revient sur la question fondamentale dont ton frère t'avait posé la question de savoir si tu veux devenir esclave Patron. au patron. Donc, ça t'a choqué. Et après, tu as réfléchi. Donc, après, pour ton frère ou d'après lui, le mot esclave disait en fait le fait, ça décrivait le fait de travailler pour quelqu'un. N'est-ce pas? D'après toi. Donc, Oui, OK. exactement. Et après avoir mûrement réfléchi, puisque c'était déjà le cas, non? Puisque tu faisais des travaux à côté pour financer tes études, je suppose. Oui. Oui, OK, je donc, finance moi-même mes études. tout à fait. Toutefois, j'avoue que la première année, la caution que mes parents ont eue, ils me l'ont laissée, quoi. Mais après, le reste, c'est moi-même qui ai financé mes études. OK, donc tu faisais déjà ça. Non, après, finalement, tu décides, non, je vais être plutôt patron, et puis là, patronne, et puis tu commences dans les aventures, dans les choses. Bon, dans la couture d'abord en premier temps. Mais maintenant, si on prend le cas de la couture, est-ce que tu t'en sortais quand même avec? C'est-à-dire, est-ce que quand tu avais cousu un vêtement ou un modèle pour un mariage, ça pouvait te permettre de vivre peut-être de ça, étant en tant qu'étudiante, peut-être quelques mois? Non, 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 Ou c'est pas pas du tout. possible? C'est pour ça que j'ai dit que c'était vraiment, on va dire quoi, L'argent de l'argent de poche, poche. quoi. Oui, si une année tu cours deux robes de mariage et que de temps en temps tu cours une jupe, un cabas, c'était vraiment très saisonnier et très peu. C'était vraiment rien que l'argent de béni, comme on peut dire, quoi. Ça ne me permettait pas de financer quoi que ce soit. Ok, mais Absolument pas. si quelqu'un aujourd'hui qui te suit, peut-être qui est étudiant, il veut poser la question, peut-être la question de savoir quels sont, peut-être il est encore dans le doute en fait, il veut entreprendre, mais il est dans le doute. Donc, si on te pose aujourd'hui la question de savoir pourquoi entreprendre, pourquoi tu trouves que c'est nécessaire de le faire, si par exemple on a son boulot et qu'on s'en sort avec et qu'on est à l'aise avec, est-ce que tu conseillerais quand même quelqu'un à entreprendre? Ou quels sont des avantages d'après toi que l'entrepreneuriat apporte et que le système salarial n'apporterait peut-être pas? Bon, déjà, je veux dire un truc qui est personnel à moi, c'est, je peux dire que l'entrepreneuriat a sauvé ma vie. Dans le sens où les études ici, c'est déjà, quand j'arrive en Allemagne, c'est en Allemagne que j'apprends le mot stress. Au Cameroun, je ne sais pas si j'ai entendu le mot stress. J'arrive ici, stress, stress, stress. Et tout à coup, tu prends le stress et tu ne sais pas pourquoi tu vis, tu pars à l'école, tu rentres, il fait froid. C'était une vie qui, ça ne me convenait pas du tout. Donc j'étais à un niveau de ma vie, je ne savais pas où je partais, pourquoi je fais ça. Mais dans la vie, on t'apprend que la vie, c'est aller à l'école, avoir un boulot, se marier, avoir les enfants. On voit les quatre choses qu'on dit très souvent. Mais quand je vois, je vivais comme ça, en fait. Tu vois, je te lève le matin, tu vas à l'école, etc. Et peut-être tu n'as pas posé cette question, mais je pense que pour répondre à cette question, je devrais parler de ça. Tout C'est à que fait. j'ai été déçue quand je suis arrivée en Allemagne. Très déçue. Parce que dans ma tête, l'Allemagne, c'était un pays où chacun fait ce qu'il veut. Et je parle surtout des femmes, que c'est un pays où les femmes construisent ci et ça, on te parle de ci et ça. Mais quand j'arrive, vu que je savais déjà ce que je vais étudier, quand les cours de langue, même quand on demande, tu veux faire quoi? Tu dis mécatronique. On dit, ah bon, tu es une femme, tu veux faire mécatronique? Pourquoi? Et moi, j'étais là en mode, mais on est en Allemagne, je pensais que tout le monde peut faire ce qu'il veut ici et qu'il n'y a pas ce travail d'homme et de femme. Et j'étais déçue en fait. Mais en temps, au début, je me suis dit non, comme je suis autour des étrangers aussi, parce que quand tu fais tes cours de langue, tu n'es entouré que d'étrangers et tu te dis que bon, ce sont aussi les étrangers. Quand maintenant je commence à aller à l'université, tu arrives à l'amphi, il y a peut-être quatre filles. Tu dis que, mais
Pourquoi il y a seulement quatre filles alors que je me disais que non, on devrait être nombreux et tout. Donc ça m'a déçue. Et la déception encore le plus, c'était le fait que je pensais que les choses devaient être très pratiques, qu'on devait faire tout devant les machines, on va montrer comment on sait ceci, on montait ça. Alors que tout est théorique en fait. Je finis mes études comme ça et c'est parce qu'on m'a montré de pratique. Donc ça m'a beaucoup déçue. Et cette déception, c'est un peu, ça s'est montré sur ma motivation à l'école en fait. Je n'étais pas motivée à fréquenter, à aller faire les cours parce que j'ai été déçue de ça. Et quand tu es déçue en tant qu'être humain, tu n'as pas envie. Donc ce qui fait que toute ma vie, j'ai toujours été parmi les cinq premiers. J'arrive ici, là, à l'école, mais déçoit jusqu'à l'école. C'était pas ça. En tout cas, c'était pas ça. J'ai pas encore fini l'école. Je dois Ouais, écrire ma mais tu thèse, t'es pas, en fait, mon dedans, t'étais mémoire. pas trop ça, quoi. Oui, justement. Donc, et moi, je suis une personne, j'aime. Quand je fais quelque chose, c'est parce que j'aime et j'y mets du mien. Vu qu'il n'y avait pas un truc qui me motivait dans ça, j'étais comme ça. Et le fait que, peut-être les premiers de la classe vont comprendre ce que je dis, le fait que tu aies toujours été premier de la classe, ou parmi les cinq premiers, et quand tu arrives quelque part, tu n'as pas les notes que tu as toujours eues, et que la balance, ça se balance un peu, si tu te sens mal, et dans un pays ou encore où le mot stress, c'est ça, tu stresses et tu vis mal. Donc je vivais mal, et l'entraîneur m'a sauvé parce que j'ai commencé à faire quelque chose que j'aime. L'envie, tu te lèves le matin comme ça, tu as envie de faire quelque chose. Et quand j'ai répondu à la question de mon frère, j'ai compris que avec l'entrepreneuriat, je me lève, je fais ce que je veux et ça me donne envie de le faire. Tandis qu'avec l'école, moi, les matières où on me tirait pour venir apprendre, j'ai de très très bonnes notes. Mais les matières où j'étais seule à apprendre, c'est aussi comme ça. Et j'ai compris en fait. C'est avec ça que j'ai compris que avec l'école, on doit me forcer parce que même les bonnes notes que j'ai eues au primaire et au lycée, c'est parce qu'il y avait tous mes parents derrière moi, va apprendre, va apprendre. Et quand je suis donc seule, je dois me forcer pour apprendre. Alors que quand il s'agit de l'entrepreneuriat, personne, personne ne me dit que va faire, je fais seule. Et c'est là où ça m'a donné, on dit purpose en anglais, ça m'a fait comprendre que j'ai les choses à donner dans ce monde. Et ça, raviver la vie en moi, parce qu'avant là, je ne vivais pas, je ne vivais plus. Donc c'est ça qui l'entrepreneuriat a apporté dans ma vie. Tout à fait. Donc c'est pour ça que je tenais à préciser ça. Déjà, sans parler même d'argent, je tiens à préciser ça, que ça m'a permis de me lever le matin et être heureuse. Maintenant, en ce qui concerne l'argent, avec l'entrepreneuriat, tu peux avoir certaines sommes qu'avec le salariat, tu ne peux pas avoir. Et par exemple, je me dis, si maintenant je veux construire une maison de 100 millions à mes parents, le salariat ne va pas me donner les 100 millions là. Donc, c'est ça l'avantage que quelqu'un peut voir. Si quelqu'un regarde un peu beaucoup le côté finance, etc., tu peux décider tes entrées. Tu peux dire, à la fin de ce mois, j'aimerais avoir, je ne sais pas quoi, quelle somme, et tu travailles pour ça. Tandis que quand il s'agit du salariat, même si tu travailles plus que ton patron, plus que toutes les personnes là-bas, on peut te donner une petite récompense de 500 euros, mais voilà, c'est ça que je peux dire. Un étudiant qui est là, il dit qu'il a son boulot, mais pourquoi l'entrepreneuriat? C'est juste ça. C'est Tout qu'il à y a le fait. côté toi, après le côté argent que tu peux décider. Tout à fait. Donc, c'est un bon point. Après, on va aller dans l'activité justement qui t'a facilement. En fait, où tu as trouvé vraiment ton orientation. Et mais avant de dire cela, avant d'aller là, je vais quand même dire quelque chose à ceux qui nous écoutent, notamment par rapport, tu parlais de la motivation, des personnes qui sont parfois premières de la classe, hein, de la pays d'origine, ils arrivent en Allemagne, ils n'arrivent même plus à réussir seulement une matière, quoi. Ça veut dire il avait un baccalauréat avec 16 de moyenne, 17 de moyenne, il n'arrive même pas à réussir une matière, quoi, avec 10 en Allemagne directement. Et du coup, ça peut rendre quelqu'un psychologiquement déstabilisé. On a vu ça en Allemagne, beaucoup de personnes qui n'ont pas pu digérer ça. Parce que tu vois, les camarades avec qui tu as pu étudier avec eux, ils sont en Allemagne, ils étaient bien, bien, bien en dessous de toi, dans ton pays d'origine. Et ils s'en sortent beaucoup plus, beaucoup mieux, hein, en Allemagne par rapport à toi. Donc, il y a ça ici. Mais les amis, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en Allemagne, ce n'est pas comme en Afrique. C'est pas comme en Afrique. Parce que tu as beaucoup de types de personnes, de types d'étudiants ou d'écoliers en Afrique. C'était justement que soit
tu as une catégorie qui a tout le temps eu des répétiteurs, tout le temps. Donc, les étalements répétés, c'était toujours au top, tu vois. Ou peut-être papa était toujours derrière le four, ainsi de suite. Donc, il n'y avait pas de raison que les enfants ne s'en sortent pas. Mais une fois en Allemagne, tu n'as plus ça, tu n'as plus de répétiteurs. On ne regarde même plus si tu as appris ou pas. Donc, du coup, tu es ton propre chef, quoi, entre parenthèses. Tu dois toi-même trouver la motivation interne pour t'en sortir avec tes études et apporter et en comptant tout ce qu'il y a aux alentours, notamment le stress, tout ce que tu peux voir, le boulot, ainsi de suite. Alors, si tu n'es pas motivé, si tu ne sais pas pourquoi tu fais les études, vraiment, tu peux te décourager rapidement. Et moi, je dis ici, pour ceux qui n'ont pas de motivation pour les études et qui viennent de l'Afrique, sachez déjà que même pour les raisons de séjour, il faudrait que vous en sortiez vos études au début. C'est obligatoire, quoi. Si vous voulez entreprendre, faites-le comme Sandra fait, mettez-le à côté de vos études, mais au moins, si vous voulez le séjour, et que vous êtes venu par le biais des études, il faudrait absolument vous en sortir vos études. Ça, c'est vraiment indispensable, quoi. Si vous voulez vraiment aller sur le chemin académique, maintenant, vous pouvez prendre d'autres chemins, hein, ça vous engage, mais au moins pour ces raisons-là, ça devrait être une motivation première. Mais une fois qu'on a dit cela, il ne faudrait pas abandonner ce dont vous voulez peut-être faire, quoi. Si quelque chose vous parle au fond de vous, comme le cas de Sandra, il faudrait vous lancer, quoi. Même si vous commencez à petite échelle, notamment avec une page Facebook, une chaîne YouTube, ainsi de suite, à partir du moment où vous êtes dans la légalité, il n'y a pas de problème à se faire. Donc maintenant, une fois avoir dit cela, Sans te je... couper Oui, vas-y. un instant, ce que Ouais. tu as dit, je tiens vraiment aussi à rappeler ça parce que je sais que ça peut vraiment toucché beaucoup. Pour dire aux gens tout à l'heure, quand je parlais de l'entrepreneuriat, que ça m'a apporté beaucoup, d'une part aussi, c'est grâce à ça que je suis en train de finir mes études maintenant. Parce que quand ça m'a donné on va dire, enfanté, une raison de vivre, là maintenant, je finis vite l'école parce que je veux vite finir pour faire ce que je veux faire. Alors qu'avant, je n'avais pas de motivation et j'étais là comme ça, je me disais, moi, je suis quelqu'un, je me disais que ah, si on va me renvoyer au pays, ça me fait quoi? Donc, pour dire qu'il y a certains gens qui ont le séjour, s'en fichent, comme moi, je m'en foutais. Tout à Je fait. me disais que ah, même si on me chasse, je me disais même que envoyez-moi mon pays, je fais quoi ici? Tu n'as rien à foutre. Mais quand j'ai commencé à l'entrepreneuriat et que j'ai compris que le sky is the limit, comme on dit, que le ciel, c'est même pas ta limite, tu peux faire plus. Et que le fait que je n'ai pas un certain statut ne me permet pas de faire tout ce que je veux faire, c'est ça qui m'a fait finir l'école. Donc, pour dire que l'entrepreneuriat aussi me pousse maintenant à finir les études, la preuve, je finis déjà. Donc, c'est aussi un truc que je voulais préciser. Tout à fait, non, tout à fait, c'est super. Maintenant, après avoir commencé avec la couture, ensuite avec les études qui étaient plus ou moins pas trop ça par rapport à la motivation, après maintenant, finalement, tu tombes dans le domaine KPI, notamment tu promois à travers ta chaîne YouTube Mon Afro Libre, où on voit t'as les cheveux carrément comme des Brésiliennes, finalement. Et justement, et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit que tu avais même une sorte de greffe. Mais là, tu me dis sans tes cheveux, dis, what? Tes cheveux, mais comment tu fais? Donc, déjà, d'où pas cette idée de dire, attends, j'ai quelque chose même que les gens, que des femmes noires ou afro-descendantes se tuent à avoir, notamment les cheveux. En fait, d'où pas le déclic de vraiment t'orienter vers le côté des cheveux et promouvoir également comment entretenir ses cheveux quand on est africain quoi, ou afro-descendant. Ok, quand j'arrive aussi ici, j'avais les cheveux aussi défrisés, courts, qui se cassaient, qui En étaient hiver, ainsi de suite. moches. Oui, et au fur et à mesure, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait comprendre que je peux porter mes cheveux naturels comme ça, sans défriser et sans mettre les coiffures, etc. Et C'était j'ai une blanche, commencé à la le faire. personne là. Non, non, c'est une Camerounaise aussi. Et 3 mois après mon arrivée ici, j'ai coupé tous mes cheveux pour recommencer à zéro. Je ne veux pas trop entrer dans les détails parce que ça sera trop long. Si vous voulez, vous pouvez aller voir ça sur ma chaîne. Et c'est comme ça que moi, j'ai appris moi-même à aimer mes cheveux parce que je ne les aimais pas. Je les trouvais moches, je les trouvais trop durs, pas assez jolis, cassants, etc. Et petit à petit, j'ai commencé à apprendre. Regarder les vidéos sur YouTube, j'ai commencé à apprendre sur mes propres cheveux. Et plus, ils devenaient beaux. Et plus moi-même, j'étais étonnée de mes propres cheveux parce que je ne savais pas qu'ils pouvaient avoir les cheveux aussi beaux. Et plus dont les gens extérieurs te demandent que, mais tu fais quoi? Plus que surtout les gens qui sont autour de toi savent en fait comment tes cheveux étaient. Parce qu'aujourd'hui, les gens me voient, ils disent que j'ai de très beaux cheveux, mais ils ne savent pas comment mes cheveux étaient aussi moches avant. Donc, les gens ont commencé à me demander comment tu fais, etc.
C'est à cause de ça même que j'ai créé ma chaîne. Bon, pas que j'ai créé la chaîne du poulet paille. Et après, vu qu'on me posait trop les questions sur les cheveux, je me suis dit pourquoi pas faire les vidéos aussi sur les cheveux. Comme ça, quand quelqu'un me pose une question, je lui envoie le lien pour que ça puisse répondre à sa question. Parce que quand tu es avec les gens et on t'appelle et que tu dois prendre 2 heures pour expliquer un truc, alors que tu peux faire une vidéo une fois et partager à 1 000 personnes. Ben, c'est comme ça que j'ai commencé à faire les vidéos sur les cheveux. Et justement, comme j'ai dit, quand j'ai parlé avec mon frère et que j'ai vu que la couture, ce n'était pas vraiment ce que je voulais faire, j'ai vu que je parlais beaucoup plus des cheveux. Ça me faisait plaisir de beaucoup plus parler des cheveux que la couture. Je me suis dit, mais pourquoi pas rentabiliser ce que je sais faire? Parce que très souvent, on sait faire de très bonnes choses et que notre entourage ne connaît pas. Le conseil que je peux donner, c'est quelle est la question que votre entourage vous pose toujours à vous? Il y a toujours une chose que, quand il s'agit de cette chose-là, tout votre entourage se dirige toujours vers vous. Et moi, c'était les cheveux. Bon, il y a autre chose, Tout à mais fait. pour l'instant, c'était les cheveux. Et je me Tout à suis fait. dit, comment est-ce que je peux donc proposer quelque chose pour... Oui, voilà, c'est ma chaîne. Je me demandais comment est-ce que je peux proposer une chose pour rentabiliser ça. Et voilà, ça sont mes cheveux quand je n'avais pas encore coupé. C'est vrai que dernièrement, j'ai un peu coupé là. Mais je me suis demandé ça, comment est-ce que je peux rentabiliser? Et je me suis dit, pourquoi pas faire un e-book? Au début, j'avais l'idée de faire un e-book pour vendre. Et après, je me suis dit, non, l'e-book ne va pas expliquer ce que je veux. C'est pour ça que je préfère YouTube que par exemple Facebook. J'aime trop la vidéo, quoi. Je me suis dit, non, je vais apprendre ça aux gens à travers la vidéo. C'est pour ça que j'ai en fait choisi cette thématique-là. Ok, top. Donc, pour ceux qui regardent, vous voyez, sont les cheveux vraiment echt. Donc, c'est vrai, sont les cheveux pas brésiliennes, cheveux africaines. Peut-être on pourrait même voir plus tard, parce que les Brésiliens, notamment, coupent les cheveux quand c'est trop long pour vendre. Actuellement, tu coupes tes cheveux, tu les jettes, n'est-ce pas? Bon, j'ai jeté. C'est vrai qu'on peut faire un don aussi. Il faut aussi donner parce qu'il y a des gens qui ont Tout des à fait. maladies et qui ne peuvent plus avoir de cheveux. Donc, OK. Donc, maintenant, quand on voit ça, on a l'impression que ça a été facile pour toi, que tout a été facile. Est-ce que tu peux nous dire les difficultés que tu as eues jusqu'ici? Tu auras toujours les difficultés, hein, c'est le secteur entrepreneurial, c'est normal. Mais est-ce que tu as déjà eu qu'est-ce que tu peux déjà nous dire les difficultés que tu as eues jusqu'ici dans ton aventure bon, entrepreneuriale? la Sandra d'aujourd'hui dirait qu'elle n'a pas eu des difficultés. Je sais, c'est bizarre, mais je vais essayer de me mettre dans la peau de Sandra d'avant. Ça a été de prendre la décision et de se focus sur ça et de faire en sorte que ça devienne une réalité. C'est beau de dire je vais faire un programme et vendre. C'est beau de dire je vais faire un e-book et vendre, mais passer à l'action, c'est autre chose. Donc ça, c'était un premier truc. Parce que moi, avant de faire ce que j'ai fait, je me suis formée aussi. C'est-à-dire, j'avais certes la compétence, c'est-à-dire, je savais comment montrer aux autres, comment prendre soin de leurs cheveux, mais comment apprendre. C'est-à-dire, vous voyez souvent à l'école, il y a ce qu'on appelle un bon professeur. Il est intelligent, il connaît, mais il n'arrive pas à transmettre. C'est-à-dire, on dit que le prof, là, quand il vient, on dort seulement. Ce n'est pas parce qu'il est bête, ce n'est pas parce qu'il ne connaît pas. Mais c'est juste qu'il n'a pas une certaine façon de transmettre qui va faire en sorte que les autres comprennent. Ton son est Oui, parti, j'ai on reçu t'écoute un pas. appel là, désolé. Ah, ok. Voilà, je disais que j'avais certes la compétence dans les cheveux, mais je n'avais pas la compétence dans comment transmettre ça aux autres et surtout avec le digital, parce que ce sont des formations en ligne, ce ne sont pas des formations présentielles. On t'écoute pas. Apparemment, ton micro est en raccrochant peut-être l'appel, ton micro s'est coupé. Je t'entends pas. On t'entend plus, Sandra. On t'écoute pas. Il faudrait que tu... Non, pas du tout. Ton micro est peut-être coupé. Pourtant, ça affiche ici que ton micro n'est pas coupé, mais je t'entends plus. Non, pas du tout. Ah putain, on nous a quitté. Elle va sans doute revenir. Je vois Nadine qui demande, qui dit mince, jolis cheveux. Oui, justement, sans ses cheveux.
Et vraiment, c'est beau à voir, quoi. Comme vous avez vu, je vous ai présenté. Sandra a eu un souci avec son téléphone. Donc, elle va nous rejoindre ici. Et comme vous savez, les amis, on va, dès qu'on aura terminé avec les questions, on va lancer l'ouverture de l'antenne pour vous. Vous qui avez des questions peut-être spécifiques à l'endroit de Sandra, vous pourriez simplement nous rejoindre dans le live et poser également vos questions. Il y a encore quelques questions que je vais lui demander, que je vais lui poser. Et une fois que je fais ça, je vais vous envoyer le lien du live et puis vous allez simplement nous rejoindre, quoi, pour qu'on puisse, ou alors pour que vous puissiez lui poser directement vos questions. Donc, attendant que Sandra revienne. Elle a des soucis, sans doute, de son côté. Sandra, si tu m'écoutes, est-ce que tu peux revenir ou alors est-ce que tu as pu gérer ton problème? Les amis, déjà préparez déjà vos questions. Donc, ceux qui vont poser les questions à Sandra, comment elle a fait? J'ai vu quelques personnes qui écrivaient déjà au niveau des impôts, comment ça se passe, ainsi de suite. On va clarifier tout ça également. Donc, Sandra nous a rejoint. Je vais l'ajouter simplement là. Oui, Sandra. Coucou. Voilà, tout à fait. Et non, écoute, encore, c'est top. Merci que tu sois revenu de façon brève, que tu n'as pas pris beaucoup de temps. Donc, Sandra, je voulais te poser justement la question. Tu parlais en fait que des personnes, en fait, que tu n'as pas eu vraiment beaucoup de difficultés, puisque tu aimais déjà ce que toi tu faisais, mais tu as été formé pour savoir comment vendre, quoi, ce Oui. que toi, tu connais déjà. Exactement. Bon, j'ai dit la Sandra d'aujourd'hui, mais avant, il y a les moments, j'ai failli laisser. Oui, j'ai dû me former et par exemple, j'ai parlé de ça pour parler d'une difficulté que j'ai eue. Quand j'ai acheté le programme, je l'ai acheté en 2017. Et donc, normalement, ma formation pouvait voir le jour en 2018. Bon, fin 2017, j'ai acheté cette formation-là. Et après, je n'ai pas pratiqué, c'est-à-dire j'ai acheté la formation et j'ai laissé de côté. J'ouvrais de temps en temps et j'avais une excuse. Et c'est ça, par exemple, la première difficulté que je peux dire, c'est qu'on a très souvent des excuses. On se dit, oh, je me disais à cette époque, oh, je suis étudiante, j'ai le job que je fais à côté et à côté, je voulais encore entreprendre. Et donc, je me donnais l'excuse à moi que, oh, si je n'ai pas avancé sur ça, c'est parce que j'ai affaire. Et c'est tellement faux. Laissez-moi vous dire que c'est faux plus que faux. On n'est jamais occupé, préoccupé, occupé, c'est deux choses. J'étais préoccupée, je n'étais pas occupée. Le fait de s'asseoir et de se dire, je vais faire ça quand? C'est mieux de faire. Donc, c'est une première chose. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que, sans sois sincère, c'est pas vrai. Tu n'es pas occupée. Tu parles tout simplement. Et par exemple, le fait que beaucoup d'étudiants ici vont dire, oh, j'ai les études, mais il faut être honnête, parfois quand on rentre des cours, on n'apprend pas. Quand on rentre, on met YouTube, on voit jusqu'à le lendemain, on repart à l'école, donc faut pas se mentir. Et la même chose avec le travail, je travaille les week-ends, donc c'est pas un truc qui devait trop dire que c'est un truc. Donc ça, la première chose en tout cas, arrêter les fausses excuses. Il y a même un monsieur qui dit que même si tes excuses sont valides, on s'en fout. Il faut trouver la solution. Donc ça, c'est la première chose. Quand j'ai donc compris que ce sont les excuses, ce que j'ai fait, chacun doit se connaître en fait. Bon, je vais d'abord citer les excuses, les problèmes. Après, je vais dire comment j'ai fait pour Pour les surmonter surmonter, ça. tout à fait. Voilà. La deuxième chose, c'était de... Au début, je peux dire le financement. Voilà. C'était un truc psychologique dans le sens où je me disais, il faut beaucoup d'argent pour commencer. Alors que c'est tellement faux, parce que la formation que j'avais prise, elle coûtait 300 euros par exemple. Et moi, je n'avais pas 300 euros dans mon compte. Et je me disais, non, je n'ai pas l'argent. Mon frère m'a dit, mais il y a la possibilité de payer en plusieurs fois. Tu peux donc payer en plusieurs fois. Juste pour dire qu'aujourd'hui, moi, je me moque de moi quand je pensais comme ça. Pour pas que je me moque de moi, ça me fait rire. Alors que ce sont les petites choses comme ça qui peuvent parfois bloquer les gens et que si je n'avais pas mon frère à côté de moi, peut-être que, bon, pas à côté de moi, je lui avais envoyé en disant que non, je ne peux pas payer ça. Il m'a juste dit, mais prends plusieurs fois. Je pourrais donc payer en 59 fois et 59 euros fois 6, je crois. Oui, et ça, par exemple, c'est un truc que je tiens à dire aux gens que ce problème qu'on dit tout financement, c'est
c'est un gros mensonge. C'est que parfois, on veut commencer grand, on veut commencer comme celui qui est déjà millionnaire. On veut être au niveau où il est, alors qu'on vient de commencer. Donc ça, ce sont, on va dire, les deux choses. Le reste, c'est le travail, juste être assidu, voilà, bien planifier ces choses. Donc, je pense que là, maintenant, il peut dire comment j'ai fait pour surmonter les deux. Tout à fait. Voilà, bon, la première chose, comme j'ai dit, c'est que je me donnais les excuses. Par exemple, quand j'ai, en 2000, fin 2019, 18, pardon, je travaillais, vu que je travaillais les week-ends, je me suis dit, le dernier jour que j'ai quitté au boulot, je leur ai dit que je ne reviendrai plus jamais ici. En plus, Pourquoi que ça me suffit. il te crée beaucoup de soucis ou quoi? Bon, comme j'ai dit, c'est quand mon frère m'a parlé que j'ai compris que j'aime pas qu'on me donne, j'aime pas qu'on me dise ce qu'il doit faire, j'aime pas quand je dois me lever à l'heure qu'on a dit, ça me saoule en fait. Et je savais pas pourquoi le boulot me saoulait, mais c'est ça en fait qui me saoulait, le fait que tu te lèves à une certaine heure, tu pars quand on a dit, tu fais ce qu'on a dit, et c'est ça qui me saoulait au boulot, c'est pas qu'on me saoulait là-bas. Et donc, moi j'ai dit, je ne reviens plus jamais ici, et les gens se moquaient de moi. Et justement, j'ai dit ça, c'est ça qui m'a permis de mettre ma formation en place parce que je me suis dit, je ne reviendrai plus jamais et je ne rechercherai plus jamais un boulot. Et vu que j'ai dit ça, je suis obligée de faire en sorte de d'avoir des entrées avec mon idée de business. Et vu que je n'avais pas le choix, entre parenthèses, dans le sens où c'est vrai que j'avais dit comme ça, mais je pouvais toujours après aller tout chercher un boulot ailleurs. Mais vu que je me suis dit ça à moi, ça fait que janvier, février, mars, c'est vrai, j'ai pas fait de vente, mais comme j'avais des économies sur 2 mois. Quand avril est venu, c'était déjà chaud sur moi, mais je me suis dit, je n'irai plus, même si je vais dormir à la rue. Sandra, tu vas faire que ça marche, ça va marcher. Et c'est là où ça a marché, voilà. Donc, il faut se connaître, chacun doit se connaître et savoir. Bien sûr, Parfois, il bien faut se sûr. pousser comme ça. Et la deuxième chose, j'ai parlé de quoi? Du film, non. C'est quoi la deuxième chose que j'ai? Tu parles en fait du fait que non, c'est le en fait ce qui te saoulait au job, c'était pas trop le comportement de tes proches, de tes collaborateurs, mais c'est beaucoup plus le problème que toi, tu ne mets pas quand tu donnes des instructions, en fait. Quand ils disent quand tu viens, quand tu rentres, ainsi de suite. Et puis tu les as dit que tu devais plus jamais bosser pour quelqu'un. Et ça t'a Oui. donc, bien que tu n'avais pas encore de plan B, en fait, on t'a donc boosté à te battre toi-même À pour trouver, travailler. ouais, pour trouver un moyen alternatif Oui. de financement. Exactement. Mais tout à l'heure, je sais que j'ai parlé des deux excuses que j'avais. Je ne Tout me à fait. souviens Tu plus de la parles troisième. de l'excuse de l'excuse sur le financement et l'excuse en fait que tu n'as pas aussi le temps, que tu étais Ah, ok. préoccupé. Voilà, pour le financement, il faut savoir que je suis une personne qui ne... Je sais pas, je suis économe et je suis aussi une personne, je peux donner un petit conseil aux étudiants qui nous regardent. Je ne peux pas travailler pour acheter les chaussures, les habits. Et même quand, depuis que je n'étais pas entrepreneur, parce que je suis entrepreneur, ça va faire 2 ans seulement. Je suis en Allemagne, ça fait 6 ans. Donc, même les 4 années qui sont passées là, je ne suis pas quelqu'un qui allait travailler pour avoir plus, pour acheter les chaussures chères et les Les trucs comme crampes, ça. par exemple, dans Moi, ta chambre, make-up. non, non, moi, je... Il n'y a pas le make-up. D'accord. C'est quand je commençais à travailler que j'ai un peu, on va dire, investi là-dedans. Mais pour donner ce petit conseil, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui, ils partent, ils travaillent beaucoup, ils vont travailler 1000 euros, ils vont dépenser 400 euros le mois là, pour acheter la Nike qui vient de sortir, la dernière chaussure. Moi, je vais... Plus que... Je pense que ceux qui nous regardent sont beaucoup en Allemagne. Je partais à Dachmann. Quand on a réduit, si la chose c'est 10 euros, j'achète celle de 10 euros. Et c'est comme ça que ça m'a permis. Je gagnais 446 euros le mois. Chaque mois, je gagnais cette somme. Mais malgré tout, j'économisais toujours 40 euros sur cette somme-là. Donc, c'est possible. Les gens vont te dire, non, c'est pas possible. Si, c'est possible. Il faut mettre vos priorités. Et c'est parce que j'ai justement fait cette économie-là, ça m'a permis de me former, d'acheter une caméra. Parce que j'ai acheté une caméra, je n'ai pas commencé avec le téléphone comme les gens. Et voilà aussi une autre chose, n'allez pas acheter les derniers téléphones. Tu es étudiant, tu ne peux pas avoir le dernier téléphone. Aujourd'hui, j'ai mon téléphone, mais c'est un investissement parce que ça me permet de travailler et par conséquent, gagner de l'argent. Ce téléphone, ce que j'ai, c'est parce que ça me donne l'argent. Donc, ce petit conseil-là que je peux donner, c'est que...
Et c'est aussi bien pour les études parce que il y a beaucoup qui travaillent trop et ils n'ont pas le temps pour apprendre. Mais c'est aussi faux parce que tu peux aussi travailler beaucoup et tu apprends aussi beaucoup. Mais je conseille aux gens de travailler moins, payer seulement le minimum de vos factures et le reste du temps, mettez ça soit dans l'école, soit dans un business. Parce qu'aller travailler, par exemple, les faux jobs, moi j'appelle ça les faux jobs, là. Donc laver les assiettes et tout comme ça. Moi, je ne sais pas pourquoi tu vas t'épuiser pour aller laver les assiettes et après cet argent-là, acheter les biens matériels, en fait. Bref, c'est un petit conseil qu'il voulait donner. Ok, donc je pense que j'avais également parlé déjà dans la chaîne. En fait, ceux qui regardent mes vidéos depuis, je parle également de vraiment travailler au strict minimum, vraiment le suffisant, quoi, pour arrondir vos fins du mois, question d'avoir le temps pour faire autre chose, pour vous concentrer sur vos études, pour accélérer avec vos études, pour terminer avec ça et faire autre chose, par exemple, comme c'est le cas de Sandra. Mais Sandra, il y a des gens également qui ont peut-être le temps, qui ont peut-être l'envie même maintenant de prendre, mais ils n'ont pas l'idée. Ils n'ont pas d'idée, quoi. Qu'est-ce que tu peux, comment tu as fait pour avoir l'idée? Comment on fait pour avoir l'idée, en fait, d'après toi? Alors, je pense que j'ai répondu à cette question, mais je vais encore préciser un peu détaillé ici. Tout à Il fait. faut prendre quelque chose que votre entourage vient toujours vous poser la question. Comment on fait ça? Peut-être tu peux être quelqu'un, tu as tendance à dépanner toujours les choses de tes amis. Tu es toujours là, c'est toujours vers toi qu'on court pour dire, dépanne ça, dépanne ça. Pourquoi on ne va pas chez l'autre? On vient toujours chez toi. C'est parce que tu le fais bien. Donc ça, c'est une idée. Si tu, à chaque fois, surtout ici en Allemagne, quand il y a les fêtes, c'est toujours toi qu'on appelle pour cuisiner. Ne Ou pas faire pour cuisiner être chez les titillé, gens quoi. gratuits. Voilà. Ne pas faire cuisiner chez les gens gratuits. Fais un service traiteur. Ne Mais pas après, faire on peut te cuisiner. traiter d'asocial, non, Sandra? Quand tu, si tu fais cuisiner, si on Pardon. te venait cuisiner, On te traite on d'asocial, te dit que tu aimes trop l'argent. on s'en fout. S'ils n'aiment pas l'argent, c'est leur problème. Oui, moi j'aime Que. l'argent beaucoup, Tout mais. à fait. Justement, on va te dire l'association directement, tu seras associé par rapport à la communauté. On va dire que Oui. non, la fille a tout le temps, ou le gars a tout le temps, on demande de venir donner un coup de main ici pour briser le poisson. Il veut toujours l'argent, en fait. Voilà. Et par exemple, moi, je vais prendre mon cas. J'aime tout parler de moi. Tout Moi, je à suis une fait. personne que dans la ville où j'étais, on me traitait de fille qui se prend la tête. Parce que les gens ne me connaissaient pas et parce que je partais faire ma chose, je n'ai pas fait ci, ça et je repars chez moi. Mais aujourd'hui, qui me connaissent, ils sont proches de moi, ils voyaient qu'ils se sont trompés. Pour dire que la première chose que je peux conseiller aux gens, je vais être un peu cruelle. Je suis parfois cruelle dans mes mots, c'est que il faut s'en foutre des gens et c'est ma vie. Il faut apprendre à vivre votre vie et non la vie de la société et de l'association. Donc, c'est la première chose que vous devez apprendre. J'ai appris à vivre ma vie et non la vie de ma communauté, de ma société. Et c'est quand je vais vivre une belle vie que je vais aller vivre celle de la société. Et aujourd'hui, je suis ici parce que je me suis choisie. Tu ne peux pas aider l'autre si tu ne te choisis pas. Donc ça, c'est un conseil que je donne à tous ceux et celles qui savent bien cuisiner. Arrêtez d'aller cuisiner gratuitement. Créer, ou tu peux être avec des amis, vous pouvez être. Même si tu es seul, moi je fais pour le moment seul, mais si tu as la possibilité d'avoir plusieurs personnes, vous vous mettez ensemble et vous décidez de faire un service traiteur que, ok, s'il y a telle fête, voilà le budget pour tel nombre de plats, tel nombre de nourritures, tel genre de nourritures. Vous regardez en fonction du temps. On est dans un pays où on paye en fonction de l'heure, c'est pas au pays qu'on paye. Comme ça, on regarde grosso modo. Vous voyez combien de temps ça va vous prendre pour faire tel repas? Tu fais un petit truc, tu passes sur Word, tu tapes un truc, tu te tapes un nom que tu vas imaginer. Je ne sais pas quel nom du service traiteur. On commence comme ça. Moi, je commençais comme ça. Le nom de ma chaîne a changé aujourd'hui. Ce n'était pas ça. Plus vous allez avancer, plus ça va se peaufiner. Voilà par exemple un exemple. Donc, il faut seulement autour de soi se demander qu'est-ce qu'on vient toujours me demander? Si on vous demande déjà ça à chaque fois, c'est que quand vous allez dire que cette fois-ci, donne-moi l'argent, les gens vont vous donner l'argent et ça sera donc un échange. Donc, dans votre vie, par exemple, il y a aussi ceux qui sont très bons en maths. Vous pouvez proposer des services, surtout, je sais que les gens qui font BVL là sont souvent très. Les maths pour eux, c'est quelque chose de très difficile. Vous Tout à pouvez fait. dire que je suis très bon en maths. Vous partez faire des cours de répétition, on va vous payer pour ça. Il faut savoir que l'éducation, c'est une industrie et les gens voient trop l'éducation comme la charité. Mais
quand vous voulez aller à l'UNI, là, vous payez pour aller, c'est pas la charité. Donc, l'éducation, c'est aussi une industrie que vous pouvez même faire des vidéos YouTube, vous apprenez aux gens comment on fait les maths. Si vous êtes surtout aussi bon en allemand, vous pouvez faire une chaîne YouTube, surtout pour les Allemands. On connaît ici que les Allemands, la mathématique, c'est leur feu rouge. Voilà, tu peux faire par exemple ça. Tu ouvres une chaîne où tu apprends les maths, tu fais un programme, un e-book où tu apprends comment on fait les maths. Donc, pour résumer, cherchez tout simplement dans quoi est-ce que vous êtes bon maintenant. Et surtout, évitez de dire que le budget, c'est le problème. Asseyez-vous et vous réfléchissez. Vous allez voir que le budget, c'est jamais le problème. Commencez avec ce que vous avez. Si tu veux faire une chaîne YouTube, tu n'as pas de caméra, commence avec ton téléphone. Commence avec la lumière du jour. Ne cherche pas à acheter les caméras, les ceci. Commence avec ce que tu as. Tout à fait. Donc, ça, c'est une très belle astuce que tu donnes à Sandra. Donc, d'ailleurs, si vous regardez tous les projets, même la chaîne Réussir en Allemagne, il fallait voir comment j'ai commencé. C'était vraiment petit. Il faut commencer petit. Et le plus important, c'est que si vous avez une idée, vous pensez que ça peut faire du bien déjà. Si vous faites déjà très bien dans votre communauté restreinte, même pas encore sur les réseaux, et que le feedback est vraiment top, vous pouvez, n'est-ce pas, transporter ça sur les réseaux et ça va seulement marcher. Parce que si vous avez adapter ça avec sur les êtres humains, ça marche et ça devrait également marcher sur d'autres êtres humains, même si le fait à travers une caméra. Et après, le reste, le packaging, le reste, ça se fait avec le temps, quoi. Plus vous allez bosser, et mieux ça sera en fait dans l'amélioration du truc, quoi. Donc, n'hésitez pas, si vous avez votre idée, lancez-vous. Même si vous vous cassez la figure, c'est pas grave. Vous pouvez vous répartir sur un autre domaine et là, vous aurez déjà au moins l'expérience en fait sur le premier business peut-être qui avait foiré quoi. Donc il n'y a pas de mal à tomber ou à faire des faux pas au début. Maintenant, est-ce que j'ai envie de te poser une question, Sandra, justement, comment tu gères maintenant le business? C'est clair que tu as quand même commencé les études quelques années après avant de commencer le business, mais comment tu gères les deux? C'est clair que tu as enfin des études, donc tu as quand même au début 2017 tu étais encore en plein dans tes études. Comment tu gérais les deux, donc business et études? Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, mon business me pousse à apprendre. Donc, je remercie mon business encore parce que je vais vite finir pour implémenter toutes les idées que j'ai dans la tête. Donc, ce que je fais, c'est tout simplement un peu faire comme si je travaillais dans une entreprise parce que, et je fais un gros coucou à maman qui me regarde maintenant parce que quand je lui avais parlé du fait que je vais faire le business, elle a eu peur pour moi et c'est très normal et quand quelqu'un vous aime, c'est comme ça. Elle m'a parlé du fait que mais si tu commences à faire le business, tu ne vas pas te concentrer sur l'école et tu ne vas pas finir l'école et tout. Tout ce qu'il faut faire, c'est dans ces moments, c'est de rassurer votre personne. Je lui avais dit que regarde, maintenant, je finance toutes mes études seule. Et pour ça, je dois aller travailler. Ce que je vais tout simplement faire maintenant, c'est que le temps que j'allais travailler pour quelqu'un, je vais travailler pour moi. Et vu que le moment-là, justement, je travaillais les week-ends, samedi et dimanche, je lui ai dit, OK, les samedis et dimanches, je travaillerai. Ce qui fait que j'ai laissé mon job là et je travaille pour moi. Et le même nombre d'heures que je travaille là-bas, je travaille en fait pour moi. Et je dois toutefois avouer que ce n'est pas comme ça que je fais. Il y a des moments en semaine où je travaille, c'est-à-dire je crée du contenu, je crée des formations, j'écris, etc. Mais je sais tout simplement que il y a l'heure pour ci, il y a l'heure pour ça. Faites-vous un plan, un planning, vous allez coller ça en gros caractère, même au plafond de votre chambre. Quand vous allez vous réveiller, vous allez voir. Oui, pour Paris, moi je fais ça. Hein. Et voilà, il faut tout simplement s'asseoir et planifier. Le problème ici, c'est que on fait les choses à côté, qu'on se dit qu'on n'a plus le temps. Arrêtez de dire qu'il n'a plus le temps. C'est faux. Il faut tout simplement planifier, prendre un calendrier et dire, OK, j'ai cours de telle heure à telle heure, je vais apprendre ça de telle heure à telle heure. Après, je vais peut-être faire tel nombre d'heures sur mon business. Moi, ce que j'aime faire, c'est de donner chaque jour à l'autre. J'aime pas trop mixer les jours. J'aime dire, OK, telle journée, je vais faire le business. Telle autre journée, je vais faire les cours, puisque j'étais à un certain niveau où je n'ai pas cours tous les jours. Donc, c'est un peu comme ça que j'essaie, je fais. Donc, c'est tout simplement l'idée. Arrêtez d'aller faire les trucs avec les gens et après vous dites que vous n'avez pas le temps.
Il faut, vous avez le temps, il faut juste bien planifier. Maintenant, si vous avez mis des heures creuses, si là les gens vous appellent, parce que souvent les gens font 2 heures au téléphone, en 2 heures de temps, tu peux apprendre une matière jusqu'à tu pars, tu as une très très bonne note. Tout à fait. Donc, il faut juste mettre ses priorités. C'est quoi tes priorités? Et quand tu mets tes priorités, bah, tu vas pouvoir faire tout ça. Super. Donc, je pense que c'est ça, c'est clair, très clair ce que tu as dit. Et pour ceux également qui veulent se lancer, c'est pas aussi facile à l'entrepreneuriat. Il faudrait une bonne dose de motivation, une bonne dose de discipline, surtout discipline avec grand D, parce que c'est ça qui fait vraiment la différence en fait. Là, vous n'avez plus votre quelqu'un qui vous met les qui est derrière avoir le fouet, mais il faudrait que vous ayez ce qu'on appelle le self-discipline. Et c'est très important, en fait, pour une réussite en entrepreneuriat. Donc, c'est clair, ça veut dire que ça se voit que tu es favorable à cela et tu pourrais également conseiller quelqu'un qui veut se lancer, qui a les potentialités, en fait, de le faire. Hein. Tu es clairement pour Absolument. cela. Pour cela. Est-ce que toi, tu aurais quand même des conseils généraux ou des secrets comme ça pour que tu pourrais donner aux personnes qui aimeraient se lancer. Je vois par exemple en commentaire ici là, il y a Deal with Money qui voulait se lancer dans le, il dit qu'il est très bon dans le conseil matrimonial, je pense bien, mais il ne sait pas, en fait, il songe encore, il a peur, quoi. Est-ce que tu as des conseils de stratégie comme ça pour dire, si tu veux peux te lancer dès demain, voilà ce que tu dois absolument faire en premier pas, quoi. Ok, tout ce que je peux lui conseiller de faire, c'est que je pense qu'il a peut-être un WhatsApp ou un Instagram ou un Facebook. Là-bas, déjà, tu crées une page, c'est gratuit. Tu crées déjà une page. Tu peux commencer à poster les simples trucs que tu vois, que ce sont par exemple les premiers problèmes de couple qui reviennent très très souvent. Tu postes comme ça. Commence par poster. Oublie que tu vas vendre quelque chose, poste seulement les trucs. Et ce qui va te pousser à même à travailler, c'est quand quelqu'un va t'écrire en commentaire que j'ai vraiment besoin de ton aide et je pense que tu vas m'aider. Là, tu vas comprendre que le peu, parce que très souvent, quand on connaît quelque chose, on se dit que c'est normal et que tout le monde connaît. Devrait connaître. Lui, pas que de vrai, on se dit que tout le monde connaît. Dans notre tête, en fait, on se dit non, ah, elle connaît ça, je suis sûr qu'elle connaît. Mais aussi, totalement faux. Donc, quand tu commences comme ça, ça va graduellement. Parce que le mot qu'il a dit, c'est la peur. Et je peux comprendre. Quand j'ai vendu mon premier programme, j'étais en train de dire, oh, ici, elle n'aime pas, ici, c'est comme ça. Et c'est d'abord un truc de soi. Il faut aussi apprendre à avoir confiance en soi, l'estime de soi. Quand on a confiance en soi et quand on sait qu'on peut donner de la valeur à une autre personne, bah, on n'a plus peur, en fait. Ce sentiment de peur-là disparaît. Donc il faut commencer par les petites choses. Fais des posts sur Facebook, sur Instagram, et si tu peux, fais une chaîne YouTube. Si tu as par exemple peur de te montrer, pas sur YouTube, tu tapes comment faire une vidéo sans se montrer sur YouTube. Il y a des chaînes qui font des millions de vues, ils ne se montrent pas. Ça Jamais le dépend visage, hein. du profil de chacun. Tout Et à quand fait. tu fais des vidéos comme ça va te donner l'envie d'aller plus et parfois après peut-être de faire un petit e-book que tu vas vendre à 9,99 €. Oui, tu vas d'abord vendre le e-book. Quand les gens vont finir de lire le e-book et qu'ils vont te dire que je veux plus, je veux plus, tu vas sentir que tu peux faire plus et que tu peux donner plus en fait aux gens. C'est le petit conseil que je peux Tout donner. à fait. Et justement, l'autre point que je vais ajouter, c'est que, comme je disais déjà en poste, dès l'année prochaine, dès l'année prochaine 2021, je vais ouvrir sur la chaîne une rubrique notamment qui est visibilité business. Ça veut dire que si vous avez vos business encore au stade embryonnaire, vous pourriez venir sur la chaîne en interview. C'est également une bonne occasion pour vous de voir déjà si votre business, comment le public voit ça. Ça veut dire comment c'est apprécié par le public, même si c'est encore seulement sur le papier. On pourra arranger une interview, je vous interviewe sur votre business et puis vous pourriez voir quoi, les questions qui reviendront, ça pourrait vous aider à peaufiner votre business, à l'améliorer, peut-être à bien mieux le structurer quoi. Parce que parfois, vous pouvez avoir une idée dans votre tête, vous pensez que ça va forcément aider les gens quand vous venez exposer et puis ça n'intéresse personne. Du coup, vous pouvez réadapter votre idée de business. Donc voilà pour les questions que j'avais à poser à Sandra. On va vous envoyer le lien. Donc, je vous envoie le lien directement en commentaire pour rejoindre le live. Si vous avez les questions à poser directement à Sandra, et puis elle pourra répondre quoi. Il y a quelqu'un qui posait la question, Sandra, notamment au niveau du financement. Tu disais déjà que avec ta chaîne, tu arrives déjà vraiment à gérer ton côté job. Ça veut dire qu'est-ce que c'est vraiment façon sûre, chaque mois, ton retour par rapport à tes ventes qui te permet de financer tes factures, notamment ton loyer et l'électricité, ainsi de suite.
Ou alors, il y a des mois parfois que tu n'as pas de retour. Ou peut-être tu as peut-être eu un mois, supposons peut-être en janvier, tu gagnes beaucoup, et février, tu gagnes rien, ainsi de suite, mars, ainsi de suite. Ou alors, tu as vraiment le minimum chaque mois Absolument à ce pas. stade. J'ai vraiment des revenus qui me permettent de vivre, quoi. De tout payer et De tout. gérer tes trucs. Donc, oui. Si Ok. on s'y prend bien, normalement, puisque ce que je fais, c'est ce qu'on appelle infoprenariat. C'est un business que si tu fais, tu scales bien, tu vas avoir une courbe exponentielle avec le temps. Donc, oui, ça va super, super bien. Tout à fait. Donc voilà Harry qui nous rejoint à l'instant. Bonsoir à toi, Harry, et bienvenue sur le live. Bonsoir. Bonsoir Sandra, bonsoir Franklin. Bonsoir Harry. Bonsoir. Oui, désolée pour la luminosité. Je suis paresseuse, je suis au salon, donc je n'ai pas trop arrangé la lumière. Voilà Sandra, je vais te demander. Bon, voilà, ma petite sœur a les longs cheveux comme toi, hein, et je connais très bien le travail aussi, quelque part, en fait, son travail, hein, ce qu'elle a fait. Elle passe le temps à me donner le conseil et tout. Moi, je voudrais te demander, je la fuis un peu, je viens te demander comment. Moi, je ne cherche pas les cheveux partout. Hein. Moi, je veux seulement beaucoup de cheveux ici. Tu vois, ici seulement. Oui, parce En que fait, moi, je du ne coup. suis rien. Franklin, tu suis quelque chose. Je Moi, suis je aussi. l'écoute. Moi, je l'écoute. Moi, j'écoute Ah bon, tu ne me suis pas? Moi, je t'écoute Oui, pourtant, c'est Ariane. bizarre. Bon, je pense que ça va s'arranger avec le temps parce que j'ai fait notre live et il y avait ce problème. C'est plus la personne qui parlait que ça s'arrangeait. Donc, j'aimerais que tu reprennes un peu ta Ok, question. je reprends alors. Tu me suis maintenant. Hein? Voilà, je dis, moi, je viens te demander comment. Voilà, moi, je voudrais avoir beaucoup de cheveux, par exemple, ici seulement, hein, pas sur les côtés. Donc, comment s'occuper de ses cheveux quand on est paresseuse pour ces trucs-là? Moi, je suis une paresseuse pour ces trucs. Quand je vois tout ce que ma soeur fait, elle prend l'aloe Bon, vera, elle attends, boucle. je t'écoute là très très bien. Maintenant, est-ce que tu peux recommencer, s'il te plaît? Je t'écoute très très bien maintenant. S'il te plaît, tout à l'heure, c'était vraiment pas Je possible. peux peut-être. Tu m'écoutes, Sandra. Oui. Ok, Là maintenant, je t'écoute. je pourrais peut-être dire vite fait. En fait, Ariane a dit qu'elle est intéressée par le fait de faire pousser les cheveux seulement de ce sens-ci. Tu vois, comme aux extrémités, si elle n'a pas de cheveux, elle n'aimerait pas avoir les cheveux aux extrémités, mais seulement sur le sens de la longueur, quoi. Non, seulement sur la partie que tu vois là. Est-ce que c'est la question qu'elle posait en Et fait? moi, je suis une paresseuse. Je voulais Elle n'est pas ajouter que, arrêtée, tout à fait. oui, parce que quand moi, je vois, parce que ma petite sœur a les cheveux comme toi un peu. Et quand moi, je vois tout ce qu'elle fait, elle me donne beaucoup de conseils. Mais quand elle tourne le dos, moi, je ne suis pas prête à investir tout un dimanche dans les cheveux, tu vois. Donc, comment s'occuper de ses cheveux en même temps, mais ne pas vraiment aussi être tout le temps dedans? Bon, la première chose que je dis, je suis quelqu'un de très direct, c'est que on ne peut pas avoir de bonnes choses dans la paresse. Il n'y a aucune chose sur la terre. Il n'y a aucune, je dis bien aucune chose, aucune bonne chose qu'on peut avoir sur la terre en faisant la paresse. Rien du tout. Donc déjà, tu ne peux pas associer bon et paresse dans une même phrase. C'est impossible. Pour dire que je ne veux pas venir te mentir et te dire, oh, fais ceci, ceci, rapidement, ça va te donner le résultat que tu veux. Dans la vie, ce que tu donnes, c'est ce que tu reçois. Si tu passes une minute sur tes cheveux, tu reçois la valeur d'une minute sur tes cheveux. Tu ne peux pas faire une minute et espérer avoir le résultat d'une personne qui passe, je vais exagérer, 10 heures sur ses cheveux. Déjà, ça, je voulais qu'on soit clair là-dessus. Maintenant, c'est vrai que étant coach capillaire et avec le contact que j'ai avec les clients, je sais que parfois, les gens prennent trop de temps dans leurs cheveux parce qu'ils ne savent pas comment le faire et comment faire pour accélérer le processus. Mais ce qui est sûr, ça prend le temps. Et quand je dis ça prend le temps, je sais que l'être humain a tendance à dire ça prend le temps, c'est pour dire que c'est trop. Mais par exemple, même ce live, ça va faire 1h03 que je suis ici. Ça nous a pris le temps. Et c'est ça la vie, en fait. Il n'y a pas plus. Donc, on dit que c'est possible pour toi de le faire. Et maintenant, je ne connais pas comment ta soeur le fait. Le problème aussi, c'est qu'il y a beaucoup qui font 10 masques. Ils vont faire un masque, après faire un autre masque, alors que ce n'est pas nécessaire. Le soin le plus simple que je vais te dire, parce que moi, je n'aime pas les choses compliquées, c'est d'avoir un shampoing. Il y a ADM. Et ça aussi, c'est un truc. Les gens pensent que pour avoir le bon produit, c'est le produit qui vient d'Amérique. C'est faux. Tu peux ADM, il y a la marque Alved,
tu achètes le shampoing qui s'appelle Ultra Sensitif. Tu laves les cheveux, c'est important. Laver ses cheveux, c'est d'abord hygiénique. Il y a des gens que quand je leur dis que je lave mes cheveux une fois par semaine, ils crient. Oh, comment tu peux laver tes cheveux une fois par semaine? Pourquoi vous vous lavez tous les jours? Je ne sais pas. Pourquoi si on se lave tous les jours et que on lave les cheveux une fois par semaine, bah ça se comprend. Donc ça, c'est une chose, laver ses cheveux. Ensuite, appliquer un masque. Ça fait 30 minutes sur ta tête. Et après, tu appliques un lait capillaire. Je Masque crois d'Alverde qu'avec la aussi. longueur, c'est... Oui, Alveda a Alverde aussi un masque. aussi. Okay. Oui, ils ont un masque. Le couvercle est violet. Ça s'appelle Habbout, Shea Butter et Tu vois, avocado. Voilà. déjà ma soeur, elle fabrique tous ses produits. Elle n'achète rien. Elle fabrique tous ses produits. Tu vois, c'est pour ça qu'elle dit Voilà, et le temps de fabriquer ses que moi, produits. je ne suis pas dans Moi non plus, j'aime pas faire les DIY, j'aime pas faire les produits moi seule. Donc, ce d'abord, milieu. j'aime pas cuisiner. Donc, être encore à la cuisine, mixer les choses là, je suis pas d'accord. Mais c'est ta soeur, tu vois justement que tu n'as pas vu les trucs qu'elle fait. C'est ça qui fait faire que sa routine dure ou pas. Moi, je fais pas mes produits seule, j'aime pas le faire. Je pars tout simplement à regarder les produits sont de qualité. Je les achète et je fais. Quand je regarde tes cheveux, c'est maximum 35 minutes. Maximum. Le temps de laver, 2 minutes. Tu mets un masque, 30 minutes. Après, tu appliques une crème capillaire. Et c'est tout. Bon, Mais recommence, ça, redis-moi un rappelle. peu. Donc, Ouais, pardon? vas-y d'abord rien, je vais Redis-moi, couvrir tout ensemble. redis-moi. Parce que justement, moi, c'est ce que j'aime en fait. C'est que moi, je vis dans un village. On n'a pas de. Je me coiffe moi-même. Mes cheveux, je dois dire quand même, ils poussent vite. Donc, chaque 3 semaines, je dois me recouper les cheveux. Tu vois, je suis livrée un peu à moi-même. Je dois faire les choses moi-même. Comme je dis, j'aime ma coupe. Donc, je n'ai pas besoin de cheveux partout, juste peut-être ici plus. Donc, j'aimerais savoir, par exemple, ici, on a DM. Tout simplement, si je vais à DM, tu m'as dit Alverde, ils ont un shampoing, Oui, ils ont attends. le masque. Et quoi, la crème Oui, papillaire chez seulement encore. Alverde, ils ont plusieurs gammes. Après, tu pourras revoir ce live et tu vas écouter ce qui est dit. Ou bien tu peux écrire là si tu as de quoi écrire. De Oui, toute je peux façon, sur écrire ma dessus. chaîne aussi, je parle de ça et je montre ça. Donc, le shampoing, ils ont plusieurs gammes de shampoing. Et sur tout ça, tu prends celui qui s'appelle Ultra Sensitive. C'est un shampoing très doux et très bien pour nos cheveux. Après ça, et c'est ça qui va te permettre de laver tes cheveux. Et quand je regarde tes cheveux, en trop 3 minutes, tu as fini de les laver. Ensuite, tu appliques un masque capillaire. Celui-là, comme je t'ai dit, de Alverde aussi. Le couvercle est bleu comme ça. Violet, pardon. C'est Hair Butter. Non. C'est Hair Mask, pardon. Hair Mask, Shea Butter et Avocado. Tu appliques ça, tu masses dans les cheveux, tu appliques, tu mets une charlotte ou bien le papier alu ou bien le papier film, tu laisses poser 30 minutes. Maintenant, tu peux poser plus si tu veux. Et de toute façon, quand tu mets le masque sur tes cheveux, tu peux faire autre chose. Tu n'es pas obligé de t'asseoir et attendre que ça finisse. Quand tu finis ça, tu le rinces et le même masque encore parce que c'est un produit 2 en 1. C'est en même temps comme masque et en même temps comme lait capillaire. Après, tu prends une noisette. Tu masques tes cheveux, tu prends un peu d'huile de n'importe quelle huile que tu as à la maison. Et moi, j'utilise souvent le raps oil, c'est de l'huile. Tu mets un peu sur tes mains, tu masques. Oui, si tu as jojoba, tu mets ça et tu masques dans les cheveux. Et le tout est joué. Ok, merci. Super top. C'est ça. Justement, la question que je vais poser à Sandra, c'est que bon, si les hommes maintenant veulent avoir les cheveux longs, quand je vois Barry ici, par exemple, c'est quelqu'un qui doit aimer les longs cheveux, quoi. Et ça marche également pour les hommes. Exactement, on a les mêmes cheveux. C'est pas parce que vous êtes les hommes, sont les femmes, on a les mêmes Est-ce qu'on cheveux. peut avoir les longs cheveux comme toi là? Non, on peut avoir les longs cheveux comme toi là, Bien Sandra. sûr, bien sûr. C'est parce que on a mis dans nos têtes qu'un homme doit se raser et tout et tout. Mais les hommes peuvent avoir des très longs cheveux, bien sûr, s'ils le Ok, veulent. Parce que tout à fait. moi-même, je pouvais couper mes cheveux comme toi tous les mois. Non, c'est clair. Couper ça, c'est pas toujours ok, mais finalement, laisser grandir et tout le travail que Oui. ça demande avec, c'est parfois ça le challenge, quoi. Mais Oui, Barry, mais quand c'est. tu nous as rejoint, Mais je te passe la parole donc, pour la question, pour ta question. c'est Franklin. Oui, bon, mais je vais couper les cheveux, quoi. Je vais les couper bientôt. Ah. Non, je te passe la parole pour savoir si tu as une question à Sandra. Tu m'as entendu? Allô, Barry, tu m'entends? Alors oui, je vous entends, Monsieur Franklin. Oui, je disais en fait que je te. Est-ce que tu as une question à Sandra? Pour Sandra, est-ce que tu as une question à lui poser?
que tu vas-y donc, que tu y vas. Oui, bien sûr, j'ai une question à notre chère Sandra. Bon, voilà, avant tout d'abord, je vous remercie. Oui, je vous entends. Je vous entends, je t'entends. On t'entend. On t'entend. Oui, j'ai une question pour notre sœur Sandra. Je t'écoute. Vas-y, pose la question. Oh, ok. Ok, ma sœur Sandra, je voudrais savoir, parce que bon, j'ai suivi votre live. En fait, j'ai une question concernant comment... comment on peut investir en tant qu'étudiant. Bon, parce que actuellement, moi, je suis étudiant en informatique. Et voilà, je me demandais dans quel business peut-on investir. Est-ce que en tant qu'étudiant, on peut, par exemple, investir en bourse ou bien être un freelancer. Et si tel est le cas, je voudrais savoir quelles sont les étapes, les différentes étapes en fait. Ok. Il a dit la bourse et après il a dit autre chose, c'est quoi, Franck, si tu as Il a parlé de bourse, mais je n'ai pas entendu l'autre. Tu parlais de... Freelancer. Ok. Mm-hmm. Ah, ok. Déjà, par exemple, dans mon business, moi, je travaille avec quelqu'un. J'ai deux personnes avec qui je travaille. Bon. Et il y a un, par exemple, qui est informaticien. Et c'est lui qui fait mon site. Mes programmes, mettre ça en ligne, etc. Et toi aussi, tu m'as dit que tu fais informatique. Donc, ça, déjà, c'est un truc que tu peux faire. Et le fait, justement, en freelance, c'est pas à temps plein parce que j'ai besoin de ces services. Ça va dépendre des moments. Donc, ça, déjà, tu peux faire. Et c'est super parce que c'est dans la direction de tes études et que tu vas pouvoir mettre en place ce que tu apprends à l'école. Donc, ça, c'est déjà une très, très bonne chose. Et après, ce qui concerne la bourse et autre chose que tu... Donc, la bourse... perso, je n'y connais pas trop, donc je ne peux pas trop te dire quelque chose par rapport à ça. Peut-être Franck s'y connaît un peu avec la bourse. Moi, je ne connais pas trop grand-chose à ça. Oui. Mais déjà, avec tes études, j'aime beaucoup cette filière-là. Donc, tu peux déjà faire ça. Et en dehors de ça, tu peux justement regarder dans ta vie, qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce que tu aimes bien partager avec les gens et... Là, en fait, tu peux prendre ça et faire une idée de business. Et les étapes, moi, je conseille de d'abord commencer son business. Et maintenant, si tu es en Allemagne, par exemple, tu pars à la mairie de ta ville, tu demandes à enregistrer ça. Donc, c'est aussi simple que ça, quoi. Parce qu'il faut d'abord que tu saches ce que tu veux faire. Il ne faut pas aller à la mairie et dire, je vais entreprendre, je vais investir. Et on te demande quoi? Et tu ne sais pas quoi répondre. Donc, je te conseille de commencer le peu que tu veux faire, de savoir au moins ce que tu veux faire, dans quelle direction. Et après, tu pourras aller à la mairie pour les étapes. Bon, moi, les étapes, c'est trouver son idée, commencer à l'implémenter. Et quand on implémente, on comprend que ce n'est pas ça que je veux faire. Je veux plutôt changer, je veux plutôt faire ça. Et là, tu vas pivoter ton business. Jusqu'à si tu as déjà tes trois premiers clients, là, tu peux donc aller à la mairie de ta ville. Tu dis que, OK, je suis étudiant, mais voilà ce que je veux faire, etc., etc. Et je pense que Franck est mieux placé ici aussi pour répondre à ces questions côté administratif, etc. Tout à fait. Je pense que peut-être s'il faut ajouter quelque chose là-dessus, c'est que si tu veux te lancer et que tu as ton idée, tu peux déjà tester, quoi. Tu n'es pas obligé d'aller directement enregistrer ça à la mairie. Tu peux tester, par exemple, d'accord, sur quelques mois. Parce que ça, aussi, rien. Non, pas aussi envie que... tu viens enregistrer quelque chose, tu n'es pas encore su, après tu viens encore désenregistrer. Oui. Ils n'ont pas aussi envie de ça se faire aussi le travail, quoi. Ça va te coûter l'argent pour rien. Donc, tu peux tester. Peut-être le mois, le 2021 commence, peut-être de janvier à mars, tu testes l'activité. Tu vois par exemple que ça marche, ou ça va peut-être marcher, ou ça fait bon signe. Parce que l'État est clair, ou la loi est claire là-dessus. À partir du moment où tu ne gagnes pas encore d'argent avec, tu peux également faire un business dans le social au départ.
il n'y a pas de problème, quoi. Parce que tu peux faire ça comme hobby, il n'y a pas de problème. Le problème, justement, c'est quand tu gagnes l'argent avec et que tu n'en risques pas, quoi. C'est là, ça fait problème. Donc, si tu commences, tu testes la chose, les trois premiers mois, tu testes la chose, tu vois, ah, ça peut marcher. À partir du moment où tu commences à vouloir gagner l'argent avec, là, tu peux aller enregistrer, quoi. Il n'y a pas de problème. Et maintenant, sur la bourse, au niveau de freelance, c'est un peu différent. Ça, c'est pour les gewerbe, donc pour les choses que tu as en... Je suis ingénieur informatique, Tiens, et je pense justement aussi à devenir freelance. Et je me suis un peu informé. Et quand c'est le gewerbe que tu enregistres à la mairie, ça, c'est comme Franklin le dit. Au niveau de freelance, c'est le genre que... C'est même pas à la mairie que tu vas, puisque si tu développes en informatique pour plusieurs clients, tu peux être freelancer. Là, dès que tu as ton premier contrat, dans les 4 semaines qui suivent, tu dois signaler aux finances que tu as un premier contrat. Et là, c'est pas compliqué, parce que pour les freelancers, tu n'es pas obligé d'aller à la mairie enregistrer un de tes deux. Toute activité qui est reconnue pour le freelance, tu peux le faire comme ça là. Mais avant de... Donc, 4 semaines, tu as 4 semaines entre le temps où tu as reçu ton off-track signé, OK, c'est bon. Tu dois dire aux finances pour qu'ils te donnent un autre numéro d'impôt avec lequel tu vas gérer ce truc. Tout à fait. Tout à fait. Je voulais également ajouter un dernier truc, c'est que quand tu es freelance, par exemple, il y a une condition, c'est que tu dois opérer dans ton domaine d'études. Donc, par exemple, le cas d'Harry qui a étudié dans informatique, tu peux décider après les études de ne pas travailler pour quelqu'un, te mettre directement en freelance. C'est quand tu as ton contrat directement, tu déclares, quoi. Donc, tu es là, c'est vraiment sans complication. Or, quand tu fais, par exemple, un gewerbe, comme elle a dit, tu n'es pas forcément dans ton domaine. Par exemple, si tu finis les études, tu travailles en plein temps. Et généralement, quand on parle de gewerbe, on sait que tu as quelque chose en temps plein que tu fais, une activité que tu fais en temps plein. Généralement, c'est en temps partiel que tu fais ton gewerbe, quoi. Par exemple, si aujourd'hui, je travaille en tant qu'informaticien, par exemple, et je veux peut-être ouvrir et peut-être lever aussi les pigeons à côté ou les poulets, un truc comme ça. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai étudié, par exemple. Là, je peux créer donc un gewerbe. Je dis, écoute, j'ai quelques poulets là, je veux vendre les œufs, ainsi de suite. Donc, ça passe aussi. Mais là, tu dois enregistrer parce qu'après, il y a le côté lucratif derrière. Donc, je voulais quand même prendre la question de Guigui, qui me semble également très importante, Sandra. Sandra, en tant que jeune qui se fait un peu d'argent, je pense comme ça, comment tu gères les sollicitations monétaires de tes parents? Ça veut dire que si clairement dans le contexte où tes parents attendent quand même que tu les lances, quoi, chaque mois, que tu les soutiennes financièrement parlant, comment tu gères ça? Ça, c'est une très bonne question. Très, 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 très bonne question. Hein. Ça, Guigui, bonsoir. Alors, la première chose, c'est que quelque part, mes parents ont pris l'habitude de notre premier grand frère qui est arrivé ici. Je le remercie beaucoup. Mais ce qui est sûr, chacun de nous sommes responsables de plein de choses. Pour dire quoi, mon premier grand frère qui est arrivé ici, il a fait comprendre qu'on n'envoie pas l'argent. C'est l'argent qui quitte de là-bas pour venir ici. Donc, mes parents ont un peu pris cette habitude-là. Et bravo à lui. Beaucoup, mais très grand frère. Mais ce qui est sûr, à chacun est testé à sa façon. Chacun est testé à sa façon et c'est à vous. Et c'est un sujet, je suis vraiment contente qu'elle pose cette question parce que c'est à vous de décider. Parfois, quand je dis ça aux gens, on dit, oh, mais c'est que chez vous, ils sont comme ça, ils comprennent quand tu parles, c'est faux. C'est parce que je dis quelque chose et je reste sur ça. Pour dire que depuis même, avant que je commence mon business ici, il n'y a pas. C'est-à-dire, le peu que je faisais, je faisais comprendre que je suis étudiante. Je suis étudiante. Et ce que je faisais avec mes parents, c'est que quand je partais, les boulots là que je faisais, je filmais, je les envoyais. Pas dans le sens où je filmais pour regarder comment je souffre ici. Non, ce n'était pas dans le sens regarder comment je souffre aussi. C'était une relation que j'avais avec mes parents, c'est que je suis en train d'aller au boulot comme ça, je suis en vidéo avec eux. Ou dans la neige et tout ça. C'est-à-dire que tu te réveillais à 5h ou à 6h, bon, et puis voilà, quoi. Tu se fous ou bien avec. Voilà. Mm-hmm. Oui, donc c'est ce que je faisais. Voilà la première chose que je faisais pour faire comprendre que voilà ce que je fais ici. Et moi, dans ma vie, j'ai lavé les toilettes. À une époque, j'ai lavé les toilettes. Quand j'allais là-bas, je filmais, je leur envoyais que voici où je travaille. Parce que
c'est toujours de notre faute. C'est-à-dire, les gens qui vont venir ici disent, oh, j'envoie trop l'argent, monsieur, c'est de ta faute. C'est parce que tu as fait comprendre que tu as l'argent et que tu peux envoyer l'argent. Donc, j'ai fait comprendre ça. Je suis étudiante et si je visitais au pays, c'est vous qui allez m'envoyer à l'école, c'est vous qui allez payer la chambre, l'école, etc. Donc, c'est pas parce que je suis arrivée ici que c'est comme ça. Donc, mon frère avait déjà instauré ça, mais j'ai vu que même avec moi, il y avait un peu les trucs comme ça. Mais j'avoue que je suis très, très reconnaissante parce que j'ai les parents aussi que dès que tu dis, comprennent. Mais je dis ça pour être reconnaissante d'eux. Mais ce n'est pas pour dire aux gens que leurs parents sont des gens, ils appellent tous les minutes pour demander qu'ils doivent dire, OK, toi, tes parents sont comme ça, c'est pour ça que ça allait. J'ai aussi des cousins que je bloque. Moi, il ne faut pas me déranger dans ma vie. Si je te dis que je n'ai pas, je te bloque. Bon, je ne sais pas pourquoi. On a fait les téléphones avec option bloquée, mais les gens n'utilisent pas ça. Moi, je ne comprends pas pourquoi vous n'utilisez pas. Même si tu es ma mère, je te bloque. C'est comme ça. Oh là, moi, il y a souvent les sujets que je pose avec ma mère et que ça ne va pas. Tu bloques comment? Tu bloques combien de temps? Non, Sandra, moi je crois qu'il n'est pas nécessaire de le bloquer, mais seulement il faut lui dire la vérité, quoi. Oui, il faut dire la vérité, être persistant. Beaucoup disent la vérité, deux jours après, craque. Deux jours après, ou bien un mois après, craque. Si je fais toute l'année et que je vous dis non, c'est non. C'est ça, en fait, le problème, d'ailleurs. C'est que quand ils disent non, mais après, ils craquent. Et j'ai déjà donné un exemple aux gens. Je leur ai dit, je préfère que tu te concentres 6 ans. Tu donnes tout. Et après, quand tu as l'argent, tu vas leur envoyer le vrai argent. Parce que quand tu es étudiant et que tu pars travailler beaucoup plus et tu ne pars pas à l'école, tu leur envoies ça. Les gens qui fréquentent depuis 10 ans, je connais les gens qui fréquentent depuis 15 ans, ils fréquentent. Et chaque fois, à la fin du mois, ils travaillent 4 fois la semaine. À la fin du mois, ils retirent une partie, donnent au pays. Et qui paie? C'est toi. Et ce ne sont pas tes parents, ils ont fait leur vie. C'est toi qui paie. Et tu vas faire ta famille quand? Tu vas pouvoir payer, vivre dans une maison quand? Si tu fais 5 jours au travail, 2 jours, 1 jour à l'école, et quand tu expliques que non, fais ce que j'appelle le sacrifice. Pendant, tu te dis, OK, je donne 5 ans pour finir au moins, je ne sais pas quoi, ma licence, quoi. Je ne vous envoie rien. Et même s'ils t'insultent, ils te bloquent, ils te renient. Les parents, de toute façon, dans ma culture, tu ne peux pas renier un enfant parce qu'il ne t'a pas donné l'argent. C'est même toi-même qu'on doit renier en tant que parent parce que c'est l'inverse qui doit être fait. Donc, les gens qui ont peur de « on va me renier, ils ne vont plus me parler ». D'abord que quand vous êtes en bon contact avec vos parents, vous leur parlez combien de fois le mois? Il y a des gens que je connais qui parlent à leurs parents tous les 3 mois. Mais les 3 mois là pour parler, c'est pour envoyer l'argent. Et est-ce que c'est une relation, ça, envoyer l'argent? C'est, pour moi, ce n'est pas une relation, ça. Donc, si moi, par exemple, je parle de moi, si j'étais moi et que on me disait que, OK, mes parents me disaient que je ne te parle plus parce que tu ne m'as pas envoyé l'argent. Je dis que, OK, c'est même cool. Comme ça, je me concentre pour finir l'école. Quand je vais finir et venir garer la voiture, je vais voir comment tu ne vas pas me parler. Tu vas me parler. Si je viens garer la voiture, je pars, je construis une maison à mes parents. Et ils vont dire qu'ils n'entrent pas dedans parce que ça fait 5 ans que je ne leur ai pas envoyé l'argent. C'est Henri, mais ce que tu dis est très pertinent parce qu'en fait, ça, c'est parfois ça aussi, cette relation de toujours envoyer l'argent qui frustre les gens ici. Parce que non seulement il a ses factures ici, finalement il n'arrive plus à gérer ça et les enfants pètent un câble. Quoi. Parce qu'il faut, ouais. Il faut retenir ici quand on est un étudiant, même si les parents nous écoutent ici, vraiment les parents, ce n'est pas facile pour les étudiants ici. Non. Je comprends aussi que ça dépend aussi de comment les étudiants. Il y en a qui viennent, par exemple, en Allemagne étudier sur les prêts, je comprends ça. Mais il faut vraiment trouver la balance correcte. C'est clair que ça doit être un peu radical, mais chacun doit trouver son façon d'équilibre. Quoi. Avec ça, l'équilibre. Non, j'avoue que c'est moi, son équilibre. Ouais. Voilà, moi je partage l'avis de notre sœur Sandra, quoi, parce que tu sais, en Afrique aussi, bon, il y a certaines de nos parents, certaines familles, bon, ils t'appellent jamais pour te demander, voilà, comment tu t'en sors, est-ce que tu es malade, comment vont les affaires. C'est seulement quand ils ont besoin d'argent, voilà, ils appellent, quoi. Donc, voilà, ouais. Quand tu les rends service, bon, une fois que, voilà, ils ont l'argent, bon, ils t'oublient un peu. Mais quand, voilà, l'argent
temps à finir, bon, on essaie encore de rentrer en, d'être en contact de nouveau avec toi, quoi. Est-ce que tu... ouais, je... Non, tout à fait. Je pense que Harry voulait dire quelque chose. Après, on va prendre l'avis de Metz qui nous a rejoint. Ouais, oui, je voulais dire quelque chose, poser une dernière question et après je vais me retirer. Oui, en fait, ce truc d'argent-là, je pense qu'il faut aussi surtout... en fait, moi quand, par exemple, quand je venais en Allemagne, les filles surtout, systématiquement, on ne devait même pas leur demander l'argent. Parce que les parents même devaient envoyer l'argent aux filles. Parce qu'on savait que les filles sont trop tentées, en fait, disons, tentées à aller avoir les garçons pour avoir de l'argent. Donc, en fait, dès que la fille disait qu'elle n'a pas l'argent même, on lui envoyait. Mais bien sûr, il faut nuancer. Si tu es dans une relation avec tes parents, le genre de relation matérialiste, ou bien les jeunes qui viennent ici et systématiquement, ils commencent à envoyer de l'argent. Vous envoyez de l'argent, en fait, pourquoi? Mais bien sûr, si tes parents sont malades ou bien si tu vois qu'il y a vraiment une nécessité, mais ceux qui viennent d'arriver ici, moi je vois ça, des gars qui viennent d'arriver, ils n'ont même pas encore fini de rembourser la caution. Et comment déjà envoyer l'argent? On vous a vendu en fait. Donc ça, c'est vraiment pas normal, quoi. C'est pas normal. Les parents devraient comprendre que vous êtes étudiant. Mais bien sûr, les parents peuvent être malades. Il ne faut pas attendre peut-être que tu aies fini, mais en tout temps, avant d'avoir fini, que tes parents ne soient plus là. Donc il faut bien analyser les situations. La dernière question que je voulais poser, c'était encore sur les cheveux. Cas de cheveux 3B, ma fille, 3B, ça te dit peut-être quelque chose. On peut penser que ce sont des cheveux très faciles à gérer, mais elle, ses cheveux, c'est du dreadlocks, quoi. Donc, c'est le genre que dreadlocks chaque matin. Quel conseil tu peux me donner pour elle? Et après, je vais me déjà, moi, je ne classifie pas les cheveux comme ça, les 3B, 3A, mais je sais ce que tu veux dire. Mais tu vois ce que je veux dire. Ça, je ne classifie pas. Tout ça, je regarde les cheveux en fonction de leur boucle. Et tu as parlé de ta fille. Parce que Ma fille. OK. Oui. Il faut faire les enfants dormir avec les... Je ne veux pas dire foulard, mais il y a les bonnets pour enfants. Il faut les mettre les bonnets en satin là, pour qu'ils dorment avec. Ou au moins lui faire un thé d'oreiller en satin. Si au début, ça ne sera pas aisé. C'est parce que si un enfant, tu n'as jamais fait quelque chose du jour au lendemain, tu lui dis que tu dois mettre ça pour dormir, elle peut être résistante. Mais en tant que mère, si tu sais que c'est bien pour l'enfant, au fur et à mesure, tu peux trouver les astuces pour qu'elle porte ça. Et aussi faire des... Je suppose que tu laisses ses cheveux lâcher pour qu'elle dorme. Non, normalement, deux nattes pour qu'elle dorme. Bon, le bonnet, elle en a déjà, mais en fait, je sais que de la nuit, ça vient beaucoup ce problème-là. Donc, déjà, le bonnet, elle a. Bon, elle a 5 ans, c'est pas toujours facile de faire qu'elle dorme avec. Mais peut-être si après, peut-être 3 jours, parce que c'est peut-être une fois par semaine, deux fois par semaine que lave ses cheveux. Donc, dès que les cheveux sont secs, ça devient des dreadlocks, en fait. Il y a une certaine statique dans ses cheveux. Et je sais très pertinemment que ce qui est bien sur mes cheveux, par exemple, ce n'est pas bien sur ses cheveux. C'est pour ça que, bon, je sais absolument qu'on n'a pas besoin des mêmes choses, quoi. OK. De toutes les façons, déjà, les produits que j'ai cités, j'ai vu que tu ne les connaissais pas. Donc, je ne sais pas trop les produits que tu utilisais. En utilisant déjà une crème capillaire, ça arrange beaucoup de problèmes des cheveux qui se collent là. Tous les cheveux sont comme ça. Les cheveux de type africain ont tendance à faire des dreadlocks quand celui de mon fils, pas du tout. J'ai deux enfants, ils sont mixtes. Donc mon fils, je n'ai pas ce problème avec lui. Il a assez un gros afro, mais elle. Ses cheveux ont plus l'air européen et vraiment, j'aurais pas cru que ça me donnerait beaucoup plus de travail, quoi. Ça ne s'attache pas. Ça se colle vraiment. Ça colle. Oui. OK. Il faut, comme j'ai dit, les conseils a priori que je peux donner, c'est, voilà, déjà le bonnet là. Et mettre donc aussi un thé doré en satin. Comme ça, si le bonnet quitte, elle peut avoir le thé doré comme ressort, comme recours et... Fais donc des grosses nattes. Quand il dit grosses nattes, c'est pas collé. Hein. Moi, je sais pas comment tu coiffes ta... C'est ta fille, tu as dit. Je sais pas comment tu la coiffes. Je sais pas si tu laisses ses cheveux lâcher au vent et que le soir, elle dort sans ça parce que... La plupart du temps, ses cheveux sont ouverts dans la journée et le soir, deux nattes. Maintenant, j'ai testé les rastas. Comme c'était les congés, je lui ai fait peut-être 60 tresses sur la tête, disons. Et bon, là, on voit que c'est vraiment... Bon, on va voir quand on va détacher.
En tout cas, okay. merci. Il faut essayer les produits là et je pense que ça va aller. Okay. C'est l'hydratation qui manque un peu dans ses cheveux. Et okay, voilà, d'accord. les cheveux des gens sont différents. Et ce sont les okay. produits qui marchent aussi sur les enfants, quoi. Et d'accord. ils sont très meilleurs parfois que certains produits qu'on met label enfant dessus. Ça, c'est le marketing. Ouais. D'accord, merci. Allez, bonne soirée à okay, vous. Ok, pas de souci à toi. Bonne pas de souci à toi, Harry. Merci d'avoir rejoint le live. Donc, il y a Fouille qui dit la gosse a raison, mais j'ai tout renvoyé à 2030. Je vais voir s'ils ne vont pas monter dans ma voiture. Donc, les gens partagent ton avis en commentaire, Sandra. Il y a Bess Discovery qui nous a rejoint dans le live. Bonsoir à toi, Bess. Allô, Bess, tu m'entends? Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir Franklin, bonsoir Sandra. Bonsoir. Oui, je t'entends super bien. Ok, parfait. On t'écoute également bien. Donc, allô? À toi l'antenne. Bon, pose ta question, on t'écoute. Oui, déjà, je tenais à remercier Franklin de nous avoir permis, grâce à ce format, de vraiment nous développer hein, finalement à travers les réponses des autres qui viennent tout le temps. On s'enrichit intellectuellement et tout. Vraiment, merci beaucoup. À Sandra, je te suis depuis que tu fais la couture. Je t'ai vue à l'événement de Lola Cosmétique. Vraiment, j'adore ce que tu fais. Tu es quelqu'un vraiment de très, très inspirant. Et Vaitazo, vraiment Vaitazo. Merci beaucoup. Alors, quand moi j'ai vu que tu venais ici, je me suis dit, ce serait vraiment l'entrepreneuriat dans le milieu si longtemps. Parce que ce que j'ai remarqué dans la communauté camerounaise et africaine en général qui vit en Allemagne, c'est qu'il y a un réveil, peut-être tardif, mais un réveil quand même. Dans tout ce qui est auto-entrepreneuriat, se faire de l'argent et tout, mais beaucoup ne savent vraiment pas comment s'y prendre ou bien comment commencer ou bien à quelle porte taper au début, en fait. Donc, ton parcours est vraiment inspirant, mais je me dis, peut-être il faudrait s'attarder un peu sur le processus de légalisation de la chose, parce que bon, c'est bien de se faire de l'argent, mais aussi c'est cool d'être dans la légalité. Enfin, moi, c'est mon avis. Hein. Donc, au moment où on commence à se faire de l'argent, ce serait bien d'être correct avec le financement. Alors, quand on est étudiant africain avec un séjour, on sait, quand on a le passeport Bordeaux, on nous met chaque 2 ans là un stempel. Comment on fait en étant étranger, comment ça se passe, le processus de légalisation de notre entreprise en Allemagne? Voilà, tu c'est ça ma en question. Allemagne. Oui, tu oui, es je en suis Allemagne. En Allemagne. Ok, si tu es en Allemagne. Je suis en Allemagne, mais je me dis qu'il faudrait, restons sur le côté étudiant, tu vois. Restons sur le côté, oui, je suis étudiant, je n'ai pas les papiers allemands, tu vois. Comment ça se passe? Voilà, je demandais cette question parce que c'est différent ailleurs. C'est pour ça que je posais cette question. Justement, parce que tu es en Allemagne, tu sais comme moi que c'est différent dans chaque Bundesland. Donc, ce sera bizarre de venir ici. Par exemple, quelque chose que j'ai appris la première fois que je suis arrivée en Allemagne, c'est que n'écoute jamais ce que personne te dit parce que la personne dit la vérité, mais dans ton cas, ça sera différent parce que vous n'êtes pas dans la même ville. Et encore, je suis sûre que tous ceux qui sont ici seront d'accord avec moi, c'est que parfois tu pars dans le même bureau parce que c'est une autre personne qui te reçoit. C'est deux choses totalement différentes. Ça, je pense que vous êtes d'accord ici en Allemagne. Et c'est un truc qui, ça m'énerve comme parfois ça me plaît parce que là maintenant, par exemple, quand je suis allée pour prolonger mon visa, un même bureau où d'autres disent ça, tu viens et le jour-là, j'ai manqué un truc que j'avais oublié d'imprimer. Je pars la semaine qui suit. La femme-là me dit que non,
c'est, il manque ça, et tu dis, il faut ça. Et ce qui fait que maintenant, moi, quand je vais venir, tu dis, OK, voilà le processus que j'ai fait, et tu vas aller faire, ça ne va peut-être pas marcher. Tu vas dire que je t'ai donné une mauvaise information, alors que c'est faux. Ce n'est pas pour dire que je ne vais pas te répondre. Je tenais à préciser. Maintenant, on t'écoute de nouveau. Je tenais à dire ça parce que ça va expliquer la réponse que je vais te donner qui va suivre. C'est que tout à l'heure, quand quelqu'un a posé cette question, j'ai dit, va à la mairie de ta ville. On est dans un pays où on te reçoit. Il n'y a pas quelqu'un ici où tu vas aller à un bureau, on va dire, on ne te reçoit pas parce que tu as tel passeport. Va à la mairie de ta ville. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, elle dit de ton business. Une fois, je suis allée pour enregistrer un business de couture que je voulais faire. En fait, je voulais avoir un site où je fais les petites créations et je vends, etc. Quand j'arrive là-bas, tu sais ce que la femme l'a dit? Elle dit, va d'abord faire et tu reviens. Parce qu'elle se dit, quand elle me posait certaines questions, je n'avais pas les réponses à ces questions-là. Elle disait, tu vas vendre à quelle catégorie de personnes? De tel âge à tel âge. Moi, j'étais là en train de dire que ah, la femme se me demande quoi? Je veux seulement vendre mes produits. Et elle me posait cette question-là et après m'a dit, repars, tu refais ça et tu reviens. Pour dire que, c'est pour ça que je conseille, ayez au moins votre idée de business. Ne te lève pas, nous, on aime trop les papiers parfois. Ne te lève pas un matin, tu dis, je veux faire un business, je ne veux pas enregistrer. Qu'est-ce que tu vas enregistrer? Tout business a différentes catégories. Ce que moi, j'ai du web marketing, ce n'est pas comme celui qui vend les produits en fait. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc, ce que tu fais, tu peaufines, tu t'assois, tu dis, qu'est-ce que je vais faire? À quel client? Je vais vendre ça online ou bien physique. Quand tu as fini de cocher ça, tu peux faire 2-3 ventes. Pourquoi je précise les ventes? Parce que quand tu finis de faire les ventes, ça peaufine ton idée business. Parce que je pouvais commencer les trucs de cheveux et je dis, je vais faire les trucs quand on vient chez moi, je fais les soins sur la tête de quelqu'un. C'est différent du online que je fais. Quand tu peux enregistrer ces deux structures-là, c'est deux choses complètement différentes. Mais parce que j'ai fait et que j'ai eu mes deux premiers clients, c'est là où tu parles maintenant, tu leur dis, OK, voilà ce que je fais, voilà en fait. Et c'est là où on regarde et on enregistre en fait ton entreprise. Donc, c'est aussi simple que ça. Ce n'est pas un truc compliqué. Tu pars là-bas et tu regardes tes trucs que tu as fait et on te pose les questions, tu remplis 2-3 trucs et c'est terminé. Et c'est pour ça que je précisais ça, pas dans ta ville, parce que pour la ville, c'est différent. Et Franklin est mieux placé pour encore plus vous répondre à ce sujet. Tout à fait. Je vais encore quand même apporter l'élément de précision. Je pense que la question, pardon, je pense que la question de best-seller également dans le fait que si je suis étudiant étranger, j'ai pas vraiment encore de séjour, disons, indéterminé. Comment exactement. Je vais créer ma structure. Donc, je vais apporter des éléments de réponse là-dessus. Déjà, comme Sandra a dit, ça dépend des États, non? Vous savez que l'Allemagne, c'est un État fédéral. Donc, 16 États. Voilà, c'est un État. Tout à fait, c'est hyper décentralisé aussi. Ça veut dire que même dans les États, il y a des villes encore qui sont différentes. Donc, c'est vraiment une particularité à l'Allemagne. Bon, maintenant, une fois qu'on a ça, ceux qui sont étudiants et qui veulent lancer un business, il faut déjà retenir que quand on est étudiant et qu'on veut lancer un business, on a déjà un problème sur le fait que vous pouvez voir votre business refusé d'exister par l'État allemand, par votre mairie. Pourquoi? Parce qu'ils voient en ça peut-être un conflit. Ça veut dire qu'avec votre business, ils voient que vous n'aurez plus assez de temps pour étudier. N'oubliez pas, si vous avez un visa pour étudiant, c'est parce que vous êtes là pour les études et c'est en étudiant et en travaillant plus tard que vous allez payer les impôts à la hauteur que l'État allemand attend ou votre ville attend. Quoi. Donc, c'est clair que s'il y a un conflit d'intérêts, c'est qu'on est d'accord que c'est normal qu'on va interdire de votre activité de naître. Mais après, ça dépend de comment vous argumentez aussi votre activité. Parce que si, par exemple, je veux faire un business, je suis peut-être à la dernière année de mes études, par exemple, et mes études se portent plutôt bien, j'ai peut-être mes bourses, ainsi de suite. Donc, je n'ai pas forcément envie d'aller travailler, toujours eu les bonnes notes. Donc, je peux aussi argumenter à celle qui me reçoit là-bas qu'en fait, j'ai besoin de faire quelque chose parce que ça me permet de me divertir, ça me permet de me détendre en fait, puisque je ne regarde pas de films, je ne fais pas ceci de suite, je ne regarde pas les films, je ne fais pas des magasins. Donc, je fais cette activité-là, ça me permet vraiment de me sentir bien. Ça dépend de ce que vous allez dire là-bas. Et on pourra peut-être vous tolérer sur une certaine période pour permettre aussi de tester votre business. Mais avant d'aller même à la mairie, il faudrait d'abord savoir si votre business même est déjà même approprié ou alors est-ce que votre business va même d'abord marcher quoi. Vous pouvez faire ce test-là sans aller à la mairie. Vous n'avez pas besoin d'aller à la mairie pour ça. Le plus important, c'est que si vous testez votre activité, que ça marche et que vous voyez que non, vous avez déjà
Vous pouvez déjà peut-être commencer à lancer vos produits. Vous pouvez commencer avec votre business sans gagner l'argent. Par exemple, ce que ça doit faire, le fait de faire ça, poster sur Facebook, poster sur YouTube, elle peut faire ça dans son free time, quoi. On ne vous interdit pas de faire vos posts. Je vois beaucoup d'étudiants aujourd'hui qui font des Instagram, ainsi de suite, dans le bénévolat, quoi, dans le social. On ne gagne vraiment rien du tout avec. On n'a pas besoin d'enregistrer. Ce n'est pas un business. Mais si vous testez les choses là pour voir comment l'audience, ou déjà comment le public va réagir par rapport à vos posts, et vous voyez que, ah, je pense que ça peut marcher. À partir de ce moment-là, il faut déjà aller demander à le déclarer. Donc, pour revenir à ta question, de façon claire, c'est que c'est toujours l'étape, c'est toujours quand le business est déjà peaufiné, vous savez déjà ce que vous voulez faire, vous savez déjà que vous avez un public à qui vendre, qui est également intéressé par vos produits, c'est d'aller demander à l'enregistrer. Il y a également le risque que l'État allemand refuse ou votre mairie refuse d'enregistrer votre business, quoi, parce qu'il voit en ça un conflit avec vos études. Si aujourd'hui, par exemple, vous commencez vos études, vous n'en sortez pas déjà bien avec vos études sans business, ils savent comment le business fonctionne, ils savent que c'est les maux de tête. C'est clair que la probabilité qu'ils acceptent votre business est très, très moindre. Ils pourraient vous dire, écoute, finis d'abord tes études, arrive d'abord au Hop Studium, sois déjà à la fin et puis tu viens nous voir, quoi. Parce que leur priorité pour eux, c'est que vous terminez vos études et que vous étudiez d'abord bien, quoi. C'est ce qu'eux, ils veulent. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, vous pouvez en parler. Ils sont plus tolérantes que les autres, quoi. Ouais, tu voulais parler, Sandra. Oui, je voulais ajouter quelque chose en disant que vous-même aussi, vous savez ici qu'il y a beaucoup de mairies qui savent que vous travaillez en même temps que vous êtes en train de faire vos études. Ils savent bien que vous travaillez. Par exemple, moi, l'argument, c'est que je travaille le week-end, samedi et dimanche, et ils ont les trucs qui peuvent voir que je travaille samedi et dimanche. Maintenant, si je dis aux gens là que, oui, mon business que je vais faire, ce sera les mêmes heures que je travaille samedi et dimanche, là, ça ne pose pas en fait de problème. Comme Franklin a dit, la manière que vous argumentez, et vous savez qu'il y a certains mairies ici que quand tu viens pour prolonger ton visa avec ta fiche de paye, il valide. Il y a d'autres mairies qui ne valident pas, qui te disent qu'ils veulent absolument la caution ou la prise en charge. Je vous dis que il faut savoir que le travail que vous faites déjà trois fois par semaine, je prends un exemple. Imaginons un étudiant qui fait le Werk Student et qui travaille trois fois par semaine et qui dit que j'ai un business, je veux aussi travailler trois fois par semaine. Et qu'on voit qu'il avançait, on ne va pas lui refuser parce que travail, c'est travail en fait. Il n'y a pas de différence. Et bien sûr, la façon que vous argumentez, ça marche. Et aussi, n'abandonnez pas. Comme j'ai dit, des bureaux ici, si vous allez quelque part et que quelqu'un vous dit non, allez un autre jour et faites tout pour avoir une autre personne qui va vous recevoir. Parce qu'ici, en Allemagne, c'est comme ça. Tu pars dans le même bureau, une personne te dit ça, une autre personne te dit « Ok, signe ça rapidement et tu quittes. » Donc, il faut juste persévérer aussi. Et bien sûr, si on refuse, je sais que j'avais un ami qu'on a refusé, là où la ville où il est parti dans quelque part dans le NRV. Et c'est possible, vous pouvez même aller sur la page Le Pont Bédian, il aide aussi un peu les étudiants dans ce sens. Et c'est un cas qu'il a eu et qu'il explique que tu peux être dans une ville et tu enregistres ton truc dans une autre ville, surtout les trucs online comme ce que je fais, parce que c'est au final online, c'est pas trop physique. Par conséquent, tu peux enregistrer où tu veux. Voilà. Donc, des fois, c'est le problème de bureaucratie, quoi, ici en Allemagne. Parce que des fois, tu vas dans une autre ville, bon, on te dit que ce n'est pas possible. Mais voilà, en revanche, quand tu changes de ville, voilà, tu pars essayer dans une autre ville. Bon, peut-être que ça peut marcher de ce côté-là, quoi. En fait, je peux dire quelques mots. Franklin, ce serait peut-être bien d'épingler le tips. Allô? Que Sandra vient de donner. Elle a dit le point Bédian, je ne sais pas trop. C'est un site qui aide les étudiants à dans la... Oui, on te suit. On te suit. Vas-y, baisse, on t'écoute. Oui, je disais que peut-être qu'il va falloir épingler ça. Elle parlait du site qui aide les étudiants dans la procédure de légalisation. Ce serait peut-être bien pour ceux qui ont besoin d'aide, parce qu'il y en a, vous savez, il y a certaines personnes qui savent faire des choses de leur main, mais côté bureaucratie, c'est vraiment les casse-têtes. Ils ne veulent pas se prendre la tête, ils ne veulent pas. Mmh. Et souvent même, c'est la plupart du temps la chose qui décourage certaines personnes, en fait. Donc, s'il y a, par exemple, la possibilité d'aider ces personnes-là dans la légalisation de leur entreprise, c'est pas mal. Moi, j'ai posé la question parce que moi, je suis déjà auto-entrepreneur et aussi freelance à côté.
J'aide les personnes qui veulent se lancer en freelance dans leur domaine Oui, super. de professionnel de prédilection. Alors, j'ai eu une étudiante justement qui m'a posé des questions sur. Elle faisait déjà des chiffres. Son entreprise, elle a commencé son entreprise à côté de ses études. Depuis un an déjà, elle faisait pas mal, elle faisait de très bons chiffres. Et donc, elle voulait savoir comment faire pour légaliser la chose parce qu'elle ne veut pas être dans les problèmes en Allemagne. Donc, moi, je dois l'avouer que j'ai toujours travaillé avec des personnes qui sont soit allemands ou avec un séjour déterminé. Je ne connaissais pas vraiment la procédure quand on est étudiant et j'étais vraiment, je savais pas quoi lui dire. Alors, quand j'ai vu le live, je me suis dit, c'est effectivement le bon portail pour en parler, en fait, pour dire que voilà, comme vous avez dit, quand tu commences à faire des chiffres, rapproche-toi de ta mairie ou bien, je ne sais pas s'il faut aller au Gewerbeamt ou des OAS, je ne sais pas. Mais comme vous avez dit, il y a un certain conflit entre les deux, quoi, les études et l'entrepreneuriat. Il va falloir savoir quoi Coucou, dire à la je ne mairie suivais pour plus. ne pas être dérangé. Tout à fait. Non, c'est Oui. clair. Ben, je vais également collecter ça et je pourrais peut-être me faire une vidéo simplement dessus. Oui, ce serait bien, ce serait vraiment bien, ça va beaucoup aider. Mais ben, dis-moi, Oui. il faudrait que tu viennes dans l'année prochaine à la rubrique Visibilité Business pour en parler plus sur ton business là parce que jusqu'ici, je ne savais pas. Oui, on va en parler. On J'ai va en essayé de parler, Franklin. regarder, tout à fait, j'ai essayé de regarder sur YouTube Best Discovery. Je ne sais pas si c'est toi, quoi. J'ai vu un truc là. Donc, du coup, pour Oui, mieux connaître ce sont ton. des choses que je faisais à l'époque. Je vais bien préparer mon retour sur Internet parce qu'effectivement, je fais autre chose en ce moment. Et Ok. quand c'est bien, je pense que ce serait bien de faire un truc comme ça ensemble. Ouais. Super. Ça marche alors. Merci pour D'accord. toi. Merci beaucoup pour ton intervention. Je vais prendre la question de Lucie Hemba qui dit: que pensez-vous d'une étudiante voulant commencer la vente de Foléré déjà préparée, car par rapport à la France, c'est rare ici en Allemagne. Ça, c'est vrai, hein, Lucie. Il y en a également je connais également une fille là qui fait dans les boissons, c'est ce qu'on appelle le Kosam. Donc, c'est du lait caillé qui vend déjà dans une ville en Allemagne, une ville de Brême. Et ça allait bon, quoi. Je n'ai pas encore goûté, mais à l'occasion, je vais peut-être goûter ça, peut-être l'invitation live. C'est clair de le faire. Ça dépend de toi, Lucie. Si dans ta ville, tu peux peut-être commencer déjà à t'approcher des afro-shops, comme il dit. S'il y a le besoin, il faudrait l'enregistrer clairement. Et après, tu peux déjà commencer à livrer aux afro-shops où des Africains pourraient acheter directement là-bas, quoi. Il y a également des Européens qui aiment cette boisson-là. Et ça se vend aussi bien dans les communautés également sénégalaises, quoi, ou de l'Afrique de l'Ouest. Ça se vend aussi très bien là-bas. Donc, il y a deux personnes qui ont rejoint dans le live. Donc, on va prendre la question aussi. Donc, nous avons d'abord Philippe qui nous a rejoint. Donc, Philippe, maintenant, active ton micro et tu peux poser ta question. Et après, ensuite, on va prendre le duplex. Ok, voilà, Et bon, je souhaite d'abord. tu as un mot de joyeux Noël chez toi là, avec la sono. Non, ça, c'est ma fille, ça. C'est ma fille. Si Ok. elle n'a pas ses chansons le soir, comme ça, elle va faire chier tout le monde. Ok, vas-y, on t'écoute, Donc, Philippe. déjà, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Franklin, tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, Sandra, Bonsoir. et toutes mes félicitations déjà d'avoir eu ce courage-là, la détermination de mener ton projet à bien. Donc, j'ai deux questions. Ma question vient en deux volets. Tu vois, moi, tu regardes la tête là. Avant, moi, j'avais les locks. Hein. Tu vois, il y a moyen de faire repousser les cheveux d'un garçon parce que mes amis se moquent trop de moi avec ça. Ils me disent, voilà, à 30 ans, tu as la calvitie déjà et tout. Il y a moyen. Ça, c'est la première de mes questions. S'il y a moyen de faire repousser, sinon après, c'est pas grave. Et deuxièmement, aussi, c'est plus une question pour Franklin, mais je pense aussi avec ton expérience, déjà ton expertise, tu pourras aussi m'aider. Donc, j'ai développé un projet de business ici en Allemagne. Donc, déjà, on pensait, c'est écrit, le plan est tout fait et tout. Donc, le business plan et tout. Et j'ai beaucoup de doutes parce que j'en parle autour de moi et mes amis me disent vraiment, je ne pense pas qu'il y ait un marché, tout ça ici et tout. Pourtant, ça passe bien en Hollande. Je ne sais pas, moi, je vis à Clèves. Je ne sais pas si tu sais où Ah ça oui, se je trouve. connais à Clairvoix. Oui. Oui, donc c'est un business qui se passe bien quand même en Hollande, non loin de chez nous ici. Un business qui se passe bien aux États-Unis, en Angleterre aussi. Donc c'était dans le style cleaning company, donc les sociétés de nettoyage et tout. Mais moi, je veux me focaliser d'abord pour un début sur les sneakers, les chaussures
pour les messieurs de bureau comme toi, Franklin. Il faut que ta chaussure brille le lundi et tout. Tu peux nous la confier. On vient la récupérer chez toi. On te la rapporte très cirée, bien, bien, bien empaquetée et tout et tout. Et aussi pour le marché des tennis. Parce que comme Sandra a dit, trouve un truc dont les gens te parlent, les gens viennent te demander et tout. Les gens me demandent, mais Philippe, comment tu fais pour que tes chaussures, tes baskets soient toujours aussi propres? J'ai des amis qui me disent, mais on pense que voilà, c'est une basket neuve. Je dis, non, c'est la basket, on l'avait achetée ensemble chez Snipe, ça fait 3 ans. Il me dit, non, c'est impossible. Elle est blanche, elle est restée blanche. Comment? Je dis, non, voilà, j'ai des amis que j'ai dépannés même aussi dans mon entourage, des blancs, des comme des noirs. Il dit, ok, tu sais quoi, rapporte-moi ta basket. Tu t'assois là, je te montre comment on fait. Je fais, mais tu regardes comment on fait. Tu vois, comme ça, demain, tu pourras faire. Il est étonné de voir la transformation de sa basket devant ses yeux. Elle redevient, elle reprend de la vie, quoi, de la couleur et tout. Mais après, j'ai mis ce truc-là dans mon placard parce que j'ai reçu beaucoup de commentaires pas favorables. On me dit, c'est pas un truc. En fait, les gens s'en foutent de comment les chaussures sont et tout, surtout ici en Allemagne et tout. Donc, je sais pas. Donc, j'essaie de demander aussi. Non, non, tout à fait. Ce que je peux te dire, c'est que ne te décourage pas. Quand dans le business, en fait, tu as deux types de clients, même 3 types de clients, je pourrais peut-être développer ici. Tu as des clients qui savent qu'ils ont un problème, ils cherchent la solution. Donc, comme ton cas, par exemple, tu sais que tu as des problèmes de cheveux, tu cherches la solution. Tu as des clients, par exemple, qui ne savent même pas qu'ils ont un problème. Par exemple, le cas des chaussures. Ça veut dire qu'un client, il ne sait même pas que sa chaussure est sale, en fait. J'ai fait des études avec les Allemands qui avaient les chaussures et les étrangers aussi qui avaient les chaussures du premier semestre jusqu'à la fin du semestre. Ils n'avaient jamais le temps de le nettoyer. Pour lui, c'était normal parce que peut-être autour de lui, on n'a jamais remarqué ça. Mais si on lui montre clairement que bon, voilà comment tu peux rendre ta chaussure propre avec la même chaussure, donc tu n'as pas besoin d'acheter beaucoup de chaussures, une seule chaussure, la rendre propre. Et voilà la plus-value en fait, à moins de coûts, je pense que ça peut faire l'affaire quoi. Donc je te propose simplement peut-être de m'écrire sur mon WhatsApp, on pourra peut-être en discuter en off et puis je pourrais voir. D'ailleurs, comme je dis, l'année prochaine, je vais ouvrir une rubrique ici simplement visibilité business. Et ces genre d'idées-là qui sont encore sur papier, tu pourras simplement expliquer et voir comment l'audience réagit. Ça va te permettre déjà de voir, ok, est-ce que c'est déjà un bon truc, ça vient, comment ça arrive quoi. Et puis tu testes le truc quoi, tu ne perds rien. Au pire des cas, ce sera peut-être que les gens ne réagissent pas par rapport, en fait, les gens ne sont peut-être pas intéressés. Mais si tu montres clairement ce que les gens gagnent par tes services de là-bas, pour moi, ça va, les gens vont venir vers toi, pourquoi pas. Donc, tu n'as pas à te décourager par rapport à ça. Fais comme je te dis, tu m'écris, on va peut-être discuter en off. Et puis on pourra peut-être organiser, tu viens sur la chaîne, quoi. Et puis, bon, voilà. Et puis, tu présentes ça, même en PowerPoint, tu présentes ça. Et puis, bon, voilà, on voit simplement comment... Les gens réagiront quoi. Moi, c'est quelque chose qui est clairement une bonne chose. Si tu peux nettoyer mes chaussures, c'est que bon voilà, tu m'apportes mes chaussures. Après, il faut voir le coût. Peut-être, il faut aussi la segmentation de ta clientèle. Est-ce que tu veux des clients qui pourront te prendre faire des commandes chaque semaine, toutes les 2 semaines, ça va dépendre de toi quoi. Sandra, tu nous as quitté tout à l'heure là. Il avait une première question. Oui, je suis désolée. Tout à fait. Tout à fait, je vais répéter pour toi. En fait, il avait une question. Comme tu vois, Philippe, par exemple, il a un peu de calvitie. Il demandait si tu as les formules également pour faire pousser les cheveux aux endroits où ça ne pousse pas. Et il faut que d'abord, il sache si c'est une calvitie naturelle ou pas. Déjà, si c'est naturel, il faut laisser le naturel faire son cours. C'est vrai qu'il y a aussi l'implantation capillaire. Tu peux aller sur le net chercher ça, tu tapes tout simplement implantation capillaire ou bien greffe de cheveux, tu vas voir tout simplement comment ça se passe. Donc soit si c'est naturel, on ne peut pas faire quelque chose. Et en plus, comment savoir si c'est naturel ou pas naturel, Sandra? Il peut aller à l'hôpital. Ah ok. Non, en fait, ça, j'ai la réponse à cette question. En fait, elle n'est pas du tout naturelle. J'ai trop fait le désordre dans la jeunesse et tout, avec tout ce qu'on pouvait faire sur les cheveux. Ça, je les ai fait. J'ai tiré de long en large et tout. Donc, c'est pas vraiment, en fait, une calvitie. Je perds beaucoup de cheveux. Mes cheveux sont un peu spongieux. Là, ils sont super longs. Dès que j'appuie, ça s'affaisse, tu vois. Donc, j'ai tellement tiré que il y a des endroits où ça se casse tellement vite que ça monte il y a des vides, en fait, tu vois. Donc, tout le monde chez nous, même mes parents sont surpris, on me dit, c'est toi le seul, toi, tu viens d'où avec ce genre de cheveux et tout. Mais c'est parce que j'ai trop fait des ordres entre les défrisages dans la jeunesse et les teintures des cheveux et tout, tu vois, les locks et tout. Donc, c'est un peu ça, quoi. Donc, sinon, okay, aussi, Franklin, je prends ton WhatsApp aussi, s'il te plaît. Tout à fait, le WhatsApp est normalement en bas de le truc. J'écris ça ici dans les commentaires. Ok, donc, merci. Je vais faire afficher ça.
Je vais faire okay. Jusqu'à l'antenne, quoi. Ok. Désolé de t'avoir coupé, Sandra. Tu peux reprendre, s'il te plaît. Ok. Donc, ça veut dire que tu as une alopécie de traction qui est due à la traction sur les cheveux. Déjà, il faut donc arrêter ça déjà. Hein, c'est vrai que ça peut être évident, mais je dis ça parce que j'ai souvent des clients qui ne savent pas que c'est si évident. Il faut déjà donc arrêter tout ce que tu sais que tu ne faisais pas bien. Et ensuite, prendre soin de tes cheveux aussi. Fais des soins. Est-ce que tu fais des soins? Et quand tu parles du fait d'avoir les cheveux spongieux, je t'invite donc à faire des soins protéinés. Donc, tu iras acheter des masques qui ont beaucoup de protéines. Et là, tu fais les soins. C'est pas parce qu'on est un homme qu'on ne va pas faire ses soins, ok? Pour avoir les cheveux beaux, tu fais aussi des soins une fois par semaine. Donc, comme on se lave tous là, il faut aussi prendre soin de ses cheveux. Tu fais les soins, tu mets le masque, tu laisses poser 30 minutes et après tu rinces. Tu peux aller sur ma chaîne, tu tapes sur ma chaîne soins de A à Z, de quoi. Tu vas voir comment je fais mes soins. Oui, les hommes, les étapes là, on peut aussi faire. T'inquiète, je vais regarder toutes tes vidéos. Je viens de m'abonner là. Quand le live a commencé, je me suis abonné à ta chaîne. Je vais aller regarder toutes les vidéos. T'inquiète. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. C'est qu'il faut arrêter de faire tout ce qui n'est pas bien. Ensuite, tu fais les soins sur tes cheveux pour éviter qu'ils soient cassants. C'est pas normal que quand on touche un cheveu directement, on retire plein de cheveux, quoi. C'est pas normal. Et voilà, quoi. Ok, donc quand je passe. Ok, ça marche. Donc, il faut déjà commencer ça. Et Philippe, je t'ai dit pour moi, voilà le numéro qui s'affiche sur l'antenne. Donc, voilà le WhatsApp et ensuite le numéro, en fait, le contact également, email. Je vais passer la parole à Duclès, qui est peut-être déjà endormi. Bonsoir, Duclès. Bienvenue sur le live. Alors, salut tout le monde. Salut, la MIFA. Salut. Moi, c'est Duclès. Et ouais, d'abord, pour commencer, d'abord, je voulais féliciter Sandra pour ce qu'elle a eu à faire. Le courage qu'elle a eu à avoir pour voilà, tout ça. Et bon, par rapport au sujet du live, en fait, moi, j'ai deux questions. En fait, je voulais rebondir sur deux choses particulièrement. Et d'abord, sur le sujet par rapport à l'enregistrement de la société en Allemagne comme étudiant étranger. Et du coup, pour avoir une petite expérience dans l'entrepreneuriat, bon, étant donné que j'ai eu à faire je fais du e-commerce. Et avec un séjour limité d'étudiants en Allemagne normalement. J'aimerais savoir juste, Sandra, tu as dit que c'est possible de commencer le business sans s'enregistrer et de faire du chiffre. Et c'est quand tu fais du chiffre que tu pars t'enregistrer. Et quand tu pars à la mairie de ta ville, il suffit juste de remplir quelques documents et puis c'est bon, tu es enregistré, tout est OK. Bon, moi, j'aimerais savoir, d'abord, comment tu as fait pour recevoir des paiements en ligne quand on sait que les procès de paiement, en fait, très généralement, demandent d'abord que tu sois enregistré avant de recevoir de l'argent? Quand tu vends un truc sur eBay, il te faut un truc, tous ces papiers-là. C'est un exemple. Quand tu vends sur eBay, par exemple, est-ce qu'il te faut tout ça? Quand tu commences, une personne lambda. Disons que là maintenant, ma mère filme un truc, elle met sur eBay, qu'elle vend. Est-ce qu'elle a besoin de... Non, quand tu vends sur eBay, plein d'insight particulièrement, il faut préciser, et que tu vends un produit, et que le chiffre d'affaires que tu fais est en dessous du 1/10 de ton patrimoine, pas besoin d'enregistrer. C'est-à-dire, si tu vends, par exemple, disons que tu vends, par exemple, une chaussure là, que tu as achetée et que tu vends sur eBay, nous enregistrer. Mais dès le moment où ton chiffre d'affaires, dès le moment où le chiffre que tu fais dépasse 700 euros, je crois que c'est 700 euros, mais 700 euros avec PayPal surtout, il te bloque et il demande indirectement que tu t'enregistres, que tu mets ton numéro de donc avec nous mais ça va être zo fort. C'est quelque chose que tu peux évoquer nécessairement si tu es enregistré. Exactement. Et quand je dis que tu commences et que tu testes, ce que j'ai dit tout à l'heure, tu dois avoir 2-3 clients pour justement être sûr que c'est l'idée de business que tu as. En ayant 2-3 clients, tu ne fais pas la somme que PayPal va te demander que je veux ton gouvernement. Il ne te demande pas. Okay. C'est ce que je suis en train de dire. C'est que quand je dis aller faire le chiffre d'affaires, c'est pas que tu pars, tu fais 10 000 euros et tu viens, tu dis que tu vas enregistrer.
Tu vois ce qu'elle dit au début. Bon, il y a différents business. Et tu peux directement lancer ton produit. Tu fais 1 million de ventes. Mais dans la moyenne, ce n'est pas ça. Tout ça que je dis, tu vas faire 2-3 ventes comme ça. Et dans les 2-3 ventes, ça ne va pas dépasser une certaine somme. Et là, maintenant, quand tu as testé ça, que tu dis OK, quand tu vas aller là-bas répondre aux questions, et attention, je n'ai pas dit qu'on va remplir 2-3 papiers. Il y a d'abord une causerie que tu fais avec la personne qui est devant toi parce qu'elle va te poser certaines questions et elle va t'orienter. Il n'y a pas que tu pars déjà et que tu remplis 2-3 papiers, c'est tout. Quand tu y vas, tu expliques ce que tu veux faire dans les détails et la femme aussi te pose certaines questions et elle sait comment se vanter, où t'envoyer, quel papier elle a besoin et c'est là où ça se fait. Ce n'est pas qu'on part en remplir 2-3 papiers, c'est tout. J'espère que Top particulièrement, c'est quoi les papiers que tu as eu avec? Parce que concrètement, c'est quoi les demandes que tu as eu à remplir en fait? Tu peux me dire, du moins, comment s'est passé le web Almeldo chez toi et quels sont les documents que tu as remplis? Parce que, bon, personnellement, bon, tu sais que moi, j'ai dit ça pourquoi? Parce que il y a de cela environ 8 mois, quand je me suis lancé dans le e-commerce, tu vois, je voulais m'enregistrer normalement. C'est-à-dire, je voulais m'enregistrer normalement. Pour cela, je suis parti en ligne, ok. J'ai vu les règlements et tout ça. Et j'ai vu clairement que sur le site de la BE de Castro, de façon légale, c'est-à-dire, l'une des principaux forages de Zoom pour que tu puisses faire le gouvernement Ameldon en Allemagne, et non pas bon, parce que moi je vis là-bas de Wittebec, pas dans mon land, pas dans ma ville, mais je pense en Allemagne, c'est que tu dois avoir un séjour soit illimité, soit un séjour allemand, quoi. Non, attention, je dois un peu clarifier du casse. Non, attention. C'est pas comme ça. La loi dit clairement pour enregistrer. D'abord, indépendamment de ton séjour, c'est clair que pour que tu sois en Allemagne, il faut que tu aies un séjour d'abord qui est valable. Donc, tu peux être en Allemagne avec un séjour limité, opté dans le cadre d'une visite, par exemple. Il y a d'abord les types de séjour où tu as le type de le séjour. Si tu viens, par exemple, rendre visite à quelqu'un, où tu as un séjour peut-être qui va sur un an, là, c'est l'autre chose. Maintenant, si on va du fait où tu es un citoyen, qui réside de façon permanente, tu peux venir au cadre de regroupement familial, tu as un séjour permanent. Par exemple, un citoyen qui a le Niederlassung Erlaubnis. Non, pas forcément. Là, c'est un autre type de séjour. Il y a le type de séjour où tu as l'offre un titre de séjour simple. Ça veut dire que soit tu es là pour le cadre au cadre de formation, tu es là au cadre des études, tu es un résident permanent, disons ça comme ça. Ça veut dire que, un étudiant par exemple, tu as d'abord un séjour peut-être sur 2 ans, mais tu as le droit sur la prolongation du séjour à partir du moment où tu gardes le statut d'étudiant par exemple. Et c'est pareil pour quelqu'un qui fait la formation, ainsi de suite. Donc, déjà, si tu es dans ce statut-là et que tu veux créer ton entreprise, donc créer un gewerbe, comme on appelle en allemand, il n'y a pas de. Ton séjour est déjà OK. À ce niveau-là. Donc, c'est juste dire, OK. Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est que la loi est claire là-dessus. C'est que si tu as l'intention de gagner l'argent avec ton activité, si tu as seulement l'intention, et qu'on parle de gagner l'argent, même si c'est un centime que tu gagnes, c'est l'argent que tu gagnes, quoi. Donc, il faudrait anzeigen. C'est pour ça qu'on appelle gewerbe anzeigen. C'est-à-dire que tu dis seulement que, écoutez, tu dis à ta mairie que je fais dans telle activité. C'est pas pour autant qu'on va te couper les impôts, mais tu dois montrer, tu dois afficher ton activité d'abord. Parce qu'à partir du moment où tu l'as fait, que tu le fais, tu es dans l'illégalité en fait. Mais maintenant. C'est justement pour ça que je demandais au début que comment est-ce que tu fais pour faire du chiffre d'affaires sans enregistrer au début. Non, elle n'a pas dit ça. C'est parce que ça. Dès le moment où tu commences à avoir tes premières ventes, que tu n'enregistres pas consciemment et que tu attends en fait, les deux ventes que tu as, même si tu as fait 2 ou 3 ventes, les 2 ventes là, tu as fait la dernière qualité. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, le problème, c'est pas ce que Sandra a dit. Sandra a dit ceci. Et moi, je dis ceci par exemple. Si par exemple, je veux faire du e-commerce. Par exemple, je veux faire du e-commerce et je suis en train de chercher encore la niche là-dessus. Je vais te parler du e-commerce également sur la chaîne. Je cherche ma niche en fait. Je ne sais pas encore quel produit je vais vendre dans mon e-commerce. Donc, je ne sais pas encore si je vais vendre, c'est pas moi, les téléphones ou les maquettes téléphones, etc. Je ne sais pas encore. Donc, du coup, je ne sais pas encore quoi faire. Donc, je peux tester mon produit. Tester le produit, ça veut dire quoi? Je peux peut-être faire une campagne Facebook, vite faire, une page vite faire, et puis je teste mon produit quoi. Je prends peut-être une niche, je ne sais pas moi, si je prends peut-être, tu veux peut-être faire dans les covers des téléphones. Je peux peut-être lancer une campagne publicitaire qui va peut-être, vendre peut-être 10 euros le cover et je cible peut-être seulement sur 100 personnes ou 20 personnes, juste pour voir comment les gens vont réagir par rapport à cela. Et si les gens réagissent par rapport à cela, bien, je ne suis pas obligé de les vendre. Ils vont seulement dire qu'ils sont intéressés, je ne suis pas obligé d'opérer la vente, quoi. Là, au moins, ils savent que je suis sur quelque chose que les gens, ça intéresse les gens. Je peux donc aller enregistrer mon activité. Par exemple, si on prend le cas de YouTube, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui se lancent sur YouTube aujourd'hui. Sur YouTube, par exemple, c'est très simple. Sur YouTube, tu peux faire même 2 ans
ta chaîne n'est pas encore monétisable, en fait, tu vois. Et là, tu as le temps que tu fais, tu ne gagnes pas d'argent, tu es légal parce que tu ne gagnes pas encore l'argent avec. Certes, tu veux gagner l'argent avec, mais tu ne gagnes pas encore l'argent avec. On ne peut pas te faire un procès. Si tu es un peu comme équivalent à un étudiant, par exemple, qui fait ses photos, il poste sur Facebook, en fait. Il n'y a pas l'aspect monétaire derrière, tu vois. Oui. Tout à fait. Maintenant, toi, dans ton cas, par exemple, quand tu fais le e-commerce, tu veux gagner l'argent avec, tu vois. Mais ce n'est pas pour autant que tu es déjà fixé sur le produit. Si toi, tu, par exemple, tu as fixé ton produit de e-commerce, je te dirais clairement que tout de suite, il faudrait que tu ailles l'enregistrer, quoi. Puisque tu connais déjà ton business est déjà effectivement clair. Donc, c'est ce que je voulais apporter comme précision. Non, ok, là, j'ai compris. Je comprends son problème et que, oui, moi, je dis que moi, j'ai fait, je crois, 3 ventes avant d'aller enregistrer. Maintenant, si toi, tu trouves que c'est illégal, moi, on ne m'a pas dit ça là-bas. Donc, pour dire que je comprends un peu sa logique, pour dire que si tu as vendu même à une personne, c'est déjà dans l'illégal. Mais pour comprendre ça et comprendre pourquoi ce n'est pas dans ce sens, c'est qu'il y a plein de gens qui vendent plein de petites choses ici et là. Et ça ne gêne personne. Donc, quoi. Oui, c'est vrai, mais c'est pas aussi la norme, parce qu'on connaît comment ça fonctionne en Allemagne aussi. Tu peux même faire un chiffre d'affaires même de 2, 3 000 euros, je n'enregistre pas, on ne va pas t'arrêter. C'est pas comme si il y a des gens qui le font. Mais c'est pas parce qu'ils le font que c'est. Oui, mais je ne conseille pas. Je suis d'accord, oui. Mais je ne conseille pas, parce que. Il y a des gens qui le font. On va tôt ou tard t'arrêter, quoi. Mais on croit. Comment t'arrêtes ton temps? Oui, tout à fait. Donc il faudrait voir les gens en réalité, bien sûr. Ok. Donc, du coup, c'est que là, moi, j'ai mieux compris. Parce que là, moi, il me disait en fait clairement que la consigne était claire, que, OK, fais d'abord des ventes, et puis après, dès que tu as des ventes, tu peux enregistrer. Mais là, tu dis que, OK, que teste d'abord le marché, et dès le moment où tu es congé, que ton produit répond à un besoin bien précis, bien maintenant, tu peux aller maintenant t'enregistrer, donc il n'y a pas tout ça en mairie. Tout à fait. Donc, d'où si je comprends bien, en fait, ma deuxième question, c'est que, est-ce que, en tant qu'étudiant camerounais en Allemagne, avec un séjour dédié aux études, est-ce que je peux enregistrer un GEWEB en Allemagne? Est-ce qu'il y a une infime possibilité que j'enregistre un GEWEB en Allemagne en tant qu'étudiant? Parce que moi, personnellement, c'est bon. Moi, je fais du fait de l'e-commerce avec le GEWEB. Bon, c'est aussi interdit. Ça, j'avoue que c'est interdit. Mais je fais du e-commerce avec le GEWEB de quelqu'un d'autre parce que j'ai eu à tout faire. J'ai même pris un avocat pour ça. Il m'a dit clairement que non, c'est impossible. Et là, si on me dit est-ce qu'il y a une infime possibilité que, en tant qu'étudiant, je précise bien, en tant qu'étudiant camerounais en Allemagne, avec un séjour limité par rapport à mes études et Bezogen à ma FA, à ma faculté, est-ce que j'ai le droit d'enregistrer un GEWEB en Allemagne? Bien sûr, c'est possible. Je connais qui ont enregistré. Bien sûr. L'Allemagne, c'est un certain état fédéral. Vous pensez souvent que les avocats connaissent tout. L'Allemagne, c'est un état fédéral. La seule possibilité ou la seule raison pour laquelle... Écoutez, l'Allemagne, c'est un pays qui est favorable à l'entreprise. Il faut d'abord retenir ça. Vous savez que l'Allemagne, c'est un pays qui est... C'est un système capitaliste. Donc, ils sont favorables déjà à la création de richesses, en fait. À la base. La seule raison pour laquelle on pourrait t'interdire ça dans ta ville, c'est peut-être par rapport à tes performances au niveau des études. Si on voit qu'il y a un danger, il y a un risque qu'à travers ton activité de business, ça puisse enfreindre ou empêcher la bonne continuation de tes études, on va interdire. Et c'est clair, je pense que c'est de bonne foi aussi. C'est la seule. Oui, voilà, raison. C'est que quand il voit que ça peut affecter un peu ton rendement scolaire, quoi. Bon, par exemple, tu avais des bonnes notes, maintenant, il voit que les notes sont en train de baisser, de diminuer. Bon, par exemple, voilà. Donc, après, ça dépend des villes. Il y a des villes, par exemple, qui sont beaucoup plus très catégoriques parce que peut-être des étudiants ont pris ont peut-être abusé de cette tolérance-là, par exemple. Et il y a d'autres villes qui sont beaucoup plus en colère, qui disent, écoute, si tu es un étudiant et que tu as les bonnes performances et que tu veux faire un business, ça dépend aussi de l'activité que tu veux faire. Si tu fais, par exemple, du e-commerce, on voit que, par exemple, dans ta niche, parce qu'ils savent aussi, le e-commerce prend aussi énormément de temps, ainsi de suite. Donc, il y a le risque là que de courir ce risque. Ils vont te dire, écoute, finis avant d'avoir tes études. Et après, il faut voir si tu peux être dans un étudiant en bachelor ou un étudiant en master. Ça dépend aussi de tout ça. Si tu es un étudiant qui a au moins abgeschlossen, qui a déjà terminé ses études de bachelor et qui est en master, il commence le master, tu es déjà comme quelqu'un qui est déjà... qui a déjà terminé les études en Allemagne, quoi. Donc, c'est un autre statut carrément. Tu as certes un titre de séjour comme quelqu'un qui est en bachelor, mais en termes de statut, tu es devant, en fait. Mais c'est possible. Donc, il ne faudrait pas rubler là-dessus. Ta ville peut être un peu strict par rapport à ça, mais c'est possible. La loi n'interdit pas ça.
Ah, ok, super. Ouais. Okay, c'est ce que je veux savoir. Je ne te dis pas ça. Et je voulais également donner un dernier point ici avant qu'on ne se sépare. C'est que pour enregistrer cela, comme Sandra l'a dit, dans sa ville, par exemple, il faudrait se présenter à la mairie ou au Gewerbeamt. Ici, par exemple, dans ma ville, on n'a pas besoin forcément. Genre, tu peux prendre le formulaire en ligne, tu remplis, tu envoies par poste ou tu peux toi-même déposer. Et sur place, ils vont prendre, après peut-être une semaine, ils vont te reprendre, quoi. Donc, ils vont te dire si oui, ils acceptent. Et quand ils acceptent, ils te donnent simplement le bescheid. Et puis, quelques mois après, tu reçois seulement ton Umsatz ID, quoi, donc ton ID pour ton chiffre d'affaires, quoi, pour l'impôt sur la plus-value. Comment ils peuvent te dire non et ils te donnent les raisons? Tu vois un peu? Bon, moi, perso, j'étais allée là-bas parce que je ne savais absolument rien. Donc, peut-être que dans ma vie, c'est aussi possible en ligne. Moi, je partais même pour me renseigner, pour dire qu'on fait même comment. Où est-ce que je veux aller? Je veux faire ça. Donc, c'est pour ça que j'étais allée. Donc, pour dire qu'il ne faut pas que quelqu'un soit dans ma ville et pense que non, ce n'est pas possible. Il faut taper. Moi, je ne vais pas souvent taper les trucs en ligne. Je dis que je pars là-bas et on va me dire ce qui se passe, quoi. Tout à fait. Ok, je comprends pas. Là, je comprends mieux. Bon, c'est vrai que j'ai aussi un ami, là qui fait aussi dans le e-commerce, et lui, il m'a expliqué comment est-ce que lui il a procédé. C'est-à-dire, lui, en fait, lui il a procédé, il est parti dans sa mairie, et puis il a dit j'ai mon père, c'est-à-dire, il a dit que j'ai mon père au pays, au Cameroun, qui a une entreprise qui fait dans l'élevage, et que bon, mon papa il est déjà assez âgé, donc du coup, il veut me léguer son entreprise, quoi, tu vois. Donc, du coup, pour avoir le Gewerbeamt, en fait, pour avoir le Gewerbeschein, il a dû utiliser le fait que son entreprise au pays veut lui léguer son entreprise, son père au pays veut lui léguer son entreprise, il s'en est en Allemagne. Comment est-ce qu'il fait? Tu vois? Et c'est là où, il a entrepris une démarche avec la dame qui s'occupe de son dossier. Elle lui a dit que c'est possible, mais dans la seule condition où, comme Barry l'a dit, que ça n'affecte pas ton niveau scolaire, quoi. Bien sûr. Ton niveau scolaire. Ok. C'est ça la crainte. C'est ça, quand tu travailles déjà, il y a même pas un problème. Et comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai quelqu'un que tu connais aussi. Tu dis? Il dit en fait que quand... Ah, Sandra, vas-y. Tu finis ta phrase, Sandra. Tu parlais... Je disais que j'ai quelqu'un qu'on travaillait ensemble et que lui, il est parti faire ça en restant dans une autre... Notre vie. Parce qu'il faisait dans les pièces bizarrement, je n'ai pas trop demandé. Certainement, ici, on a refusé. Il est parti enregistrer dans une autre ville. Okay. Et c'est un truc que moi, je ne savais pas que c'était possible. Il faut faire les choses avant de savoir. Quoi. Tout à fait. Donc, je peux aussi te préciser, Duclès, que les avocats ne savent pas tous, puisque tu as parlé de ton avocat tout à l'heure. Quand quelqu'un n'a pas encore eu un premier cas, la première chose qu'il risque de te dire, c'est impossible. Donc. C'est pas tout le monde ne connaît pas tout. Moi, je suis quelqu'un, quand on dit non, si je pars à gauche, on dit non, je pars. Il y a 7 milliards de personnes sur la Terre. Donc, si 7 milliards de personnes ne me disent pas non, bah, c'est qu'il y a encore une personne qui peut me dire oui. C'est ça ma logique dans la vie. C'est pas parce qu'il m'a dit que c'est impossible que j'ai arrêté de chercher. Moi, je cherche toujours. La preuve même, j'ai dit, ok, bon, si actuellement, je ne peux pas faire mon nom, dans ce cas, il faut le nom de quelqu'un d'autre. Le temps que je puisse trouver une solution afin de faire mon propre nom. Tu vois un peu. Donc, c'est clair que ce n'est pas parce qu'il a dit que c'est impossible que je veux arrêter le business ou bien que je veux me résigner en disant que, ok, que bon, j'arrête, c'est impossible, tu vois. Tu vois un peu. Tout à fait, parce que moi, je sais, par exemple, le e-commerce prend aussi beaucoup de temps, donc il faudrait aussi garder la balance avec les études aussi, hein, parce que c'est aussi important, sinon tu pourrais aussi avoir des soucis, quoi. Tu sais que parce que on s'est joué écouté à cela, donc c'est très important aussi, ce que je disais en entame de cette live, quoi. Donc, c'est ce que je vais dire, merci à vous, merci à toi, Sandra. Ok. Il y a, par exemple, Serge Paco, qui pose la question, Franklin, voilà, voudrais te poser une question avant qu'on se sépare. Peut-être qu'on ne sait pas. Mais voilà. Comme il y a une personne qui a posé une question d'abord, on va prendre sa question d'abord. Ok, donc c'est Serge. Donc, il pense que Serge, ici, tu n'as pas besoin d'enregistrer. Il dit, merci Inès, même si je vends, hein, je n'ai pas compris. Hein, ce que je vends dépasse un certain montant, disons 700 euros, parce que je suis en train de déménager dans une autre ville ou land, je compte vendre tout ce qui est à la maison. Donc là, c'est clair, tu n'as pas besoin d'enregistrer.
Les gens, c'est, y a pas de problème. Là, tu peux vendre tes propres trucs. Si tu le fais une fois, quoi. C'est pas comme si tu fais un business clairement. Non, tes propres trucs, tu le fais une fois. Oui, tu le vends. Ça, ça va. Et même que la fin, il n'y a pas de problème. Tu peux vendre, ça dépend pas. Mais dès le moment où tu veux, que tu veux faire ça un business, tout avec pour intention de gagner de l'argent, là, tu dois enregistrer. Tout à fait. Ok, Barry, donc pose ta question. On prend ta question et puis on se. C'est pas sur ce merveilleux live. Ok, voilà. C'est bon, pas grave. Ok, salut à ta Lucas. Voilà, c'est par rapport toujours au business en tant qu'étudiant. Parce que moi, je crois qu'on ne peut pas se lancer, par exemple, dans l'immobilier en tant qu'étudiant. Je ne sais pas si c'est possible. Bon. Parce que pour se lancer dans l'immobilier, je crois qu'il faudrait que tu aies 30%, je crois, bon, c'est pas trop, 30% du capital et que, voilà, le reste, je crois, c'est le banque qui te finance, c'est la banque qui te finance. Bon, mais pour investir, par exemple, en bourse. Je crois que c'est possible parce que bon, j'ai suivi beaucoup de tes vidéos. Bon, je crois qu'on peut investir, par exemple, dans des bourses, dans des entreprises comme Coca-Cola ou bien Nestlé. Bon, maintenant, ma question, moi, c'est de savoir comment investir en bourse. C'est-à-dire, est-ce que il faut étudier d'abord le marché, savoir si c'est lorsque, par exemple, les cours d'une action montent qu'on achète, ou bien on va attendre que voilà, les cours de cette action baissent pour qu'on puisse acheter une action. Parce que là, bon, je ne m'y connais pas trop dans ça. Et si toutefois, bon, tu pourrais, par exemple, me coacher ou bien je ne sais pas, voilà, je ne sais pas trop, mais j'ai besoin quand même d'aide dans ce sens-là. Tout à fait. Donc, tu peux écrire-moi simplement sur WhatsApp. Tu as mon numéro là. Après, sinon, je ne pourrais pas t'expliquer tout un cours de bourse ici. Mais c'est comme, comme dans tout investissement. Hein, il faudrait quand même avoir la base. Et moi, je te conseille d'abord de passer d'abord par la base. Et puis, en fait, contacte-moi, puis on va causer un offre. Je pense que c'est mieux. Là, je pourrais t'entendre. D'accord. Plus. Ok, d'accord. Donc il ne me reste plus qu'à te dire merci à toi, Sandra, d'avoir accepté l'invitation. On était plus de près de 200 dans ce live aujourd'hui. C'était top. Oui. Et merci à vous de votre côté qui nous regardez. Voilà. Merci Franklin, merci Sandra. Vraiment, voilà. Passez une excellente nuit. Ok, pas de souci. Bonne nuit à toi, Barry. Donc, comme je disais, les amis, vous qui êtes de l'autre côté, ou du côté de l'Afrique qui nous écoutez, ou du côté de l'Amérique, donc c'est vraiment top. Donc, c'est ici que je vais simplement laisser le dernier mot à Sandra. Et merci encore pour ton temps, Sandra, avec toi en famille. Et puis, tu as quand même pris le temps d'expliquer, de répondre aux questions, de motiver également. Donc, je pense que c'est clairement ce que j'ai voulu avec ce live. Et merci à toi. Merci aussi à toi. Merci à tous ceux qui nous ont regardés jusqu'ici. Le mot de la fin que je peux dire, c'est que le plus beau cadeau que j'ai reçu de la vie, c'est de comprendre que je suis responsable de ma vie. Je suis responsable de tout ce qui m'arrive dans ma vie. Et ça, je vous invite à cogiter là-dessus. Et quoi qu'il vous arrive, il faut savoir que c'est vous les responsables. C'est vous qui pouvez changer ça. Si aujourd'hui, votre vie ne vous plaît pas, c'est de votre faute, ok? Ce n'est pas la faute d'une autre personne. Vous pouvez faire en sorte que votre vie devienne la vie de vos rêves. Et pour ça, vous devez vous poser une question. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que toi qui me regardes ce soir, qu'est-ce que tu veux? Ne fais pas ce que ta mère veut, ce que ton père veut, ce que ton copain veut. Qu'est-ce que toi, tu veux? Et au moment où tu vas répondre cette question, tu vas progressivement avoir les réponses et vivre la vie de tes rêves. Voilà, tu es responsable de tout. Voilà, tout à fait. Donc, les amis, vous êtes responsables. Très, très, très bonne soirée. Tout à fait. Donc, les amis, vous êtes responsables de votre vie et donnez le gaz, donnez la priorité à vous-même, à votre vie également. Et je pense qu'avec l'appui également de Réussir en Allemagne, je vous aide à faciliter vraiment au mieux l'intégration et la réussite aussi en Allemagne, c'est que c'est un pays un peu complexe, un peu différent d'autres pays, mais ensemble, je pense qu'on va rendre ça, on va décomplexer finalement ça et chacun va trouver son compte, quoi. Donc, c'est ici que je dis merci à vous. On se retrouve simplement dans quelques jours pour la vidéo sur la chaîne et pour le prochain live. Donc, bye bye. OK, bye.